Hey yo, salut Sainz, comment ça va? Première fois que t'as la notif Twitch. J'ai eu un truc marrant hier sur le stream de Pierre. Première fois que ça me l'a fait sur PC. Les pubs en. T'es en petite banderole en dessous en fait quoi. Genre plutôt que bah avoir la fameuse pub de Twitch qui dure 30 secondes et qui t'explose les oreilles. Là j'avais la petite pub en mode juste en gros. En fait ça réduit un tout petit peu le lecteur mais genre de 10% quoi. En fait ça le surélève un tout petit peu. Et en dessous t'as la petite banderole. Avec le jeu quoi. Avec la pub, je veux dire. Mais c'est les petites pubs Amazon quoi. Je trouvais ça marrant. En vrai, si jamais ils peuvent mettre plus de trucs comme ça et moins de pubs intrusives à la con. Où les gens loupent le live du coup. Ouais, sur mobile tu l'as aussi sur le côté, ouais, truc comme ça. Mais sur PC, c'était la première fois que je voyais. C'était la première fois que je voyais. Et du coup, bien sympa quoi. Alors après, je sais pas si c'est des SLPCC, pubs ça pour. va. Merci beaucoup, Lyon, pour le Prime, pour le resub, ça va et toi? Mais après, du coup, je sais pas, en fait, ils sont des pubs. Hein. Comme ça, qu'il n'y ait pas prendre d'hommes sur le live, ou si c'est aussi, ça peut venir en remplacement des pubs, par exemple, bah, juste quand tu balances, je sais pas, 2 minutes de pub, tu vois. Est-ce que tu peux avoir des pubs comme ça dans l'eau plutôt que les pubs justement qui t'empêchent de voir le live pendant un certain temps, quoi. Parce que c'est ce qui fait qu'en fait, actuellement, les streamers ne mettent pas de pubs pendant leur live, en tout cas quand ils font quelque chose d'intéressant, parce que bah sinon, tu loupes le truc en fait, tu vois. Ou alors ils les mettent quand ils font des pauses, ou quand ils sont en train de game de LoL, ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'autant une pub sur YouTube, même si, ah, oh, putain, ouais, secours. Même si tu peux la skip hein, ou pas, c'est pas grave parce qu'en fait tu loupes pas ton contenu. Parce que ton contenu il se prend en pause. Le souci c'est qu'une pub sur Twitch, bah si t'as 2 minutes de pub d'ailleurs, t'as loupé 2 minutes de live quoi, donc. Et c'est pas comme les lives sur Twitch, enfin sur YouTube je veux dire, où au pire le live peut se mettre en pause et tu peux le reprendre derrière en accéléré. Là non, tu l'as non plus. Ça très bien toi code 9, bah écoute, ça va nickel. Hein. Ça va nickel, attends, juste tout ça un coup. Ah, ça me fait toujours ça après avoir mangé. J'ai un peu la gorge prise quoi. Toujours ça quoi. Obligé de racler un bon coup. Il y a rien dégueulasse. Mais du coup alors tiens, faut que je vous montre ça. Hier là. Il est fini le record et regardez-moi ça. Nice. Il y a tout qui tourne comme il faut. Bon alors, c'est pas très discret, je vous l'accorde. Mais ça marche. En vrai, ça je pourrais l'enfoncer un bloc de plus. Hein. Même quelques blocs de plus en hein, d'ailleurs, je pourrais l'enfoncer et puis après juste avoir des cogwheels qui remontent. Hein. Mais bon. Moi ouais, j'aime bien voir parfois les trucs qui dépassent un petit peu, je trouve pas ça dérangeant. Après, bon, ce qu'il va falloir modifier, c'est les murs, hein, parce que là c'est un peu dégueulasse. Mais en tout cas, la prod de live fonctionne nickel. Hein. Vraiment, il y a quasiment tout qui est rempli et en fait, hein, vu que ça dure 1000 secondes en fin de compte et pas juste 500 comme je le pensais, bah en fait, il faut genre un bucket toutes les 2 minutes quoi. En termes de prod, c'est ça quoi. Sauf que quand t'as 4 milliards de chaudrons derrière, là j'ai 55 chaudrons. J'espère bien qu'ils font au moins un bucket toutes les 2 minutes quoi. Donc bon. Et du coup, là en termes de stress unit, hein, on est à. On est à 147 hein. 1000. Voilà. Qui sont répartis sur 9 moteurs. Chaque moteur peut tanker en fait du 16 000. Hein. Après, bon, tu peux tous les rassembler en un seul et même truc. Ça y est, pas de soucis à se faire. Mais ouais. Alors par contre, du coup. Tu pourrais même augmenter la taille si t'es pas au max. Alors en fait, augmenter la taille, j'ai testé, ça change rien. Alors non, j'ai pas testé augmenter la taille, tu me diras. Mais normalement, ça change rien, je crois. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, on est en rate de chaleur. Hein. Donc, je crois qu'avec les base, je crois qu'avec les base burners comme ça, tu peux pas produire plus. Quoi qu'il arrive. Et si jamais tu veux produire plus, faut passer au Blaze Cake en fait. Parce que là, c'est la chaleur qui va poser problème. Hein. Par contre, on est d'accord que ça, après, pour les assembler en un seul et même point. Que là par exemple si jamais je posais ça, le problème c'est que le cogwheel du haut il pourra pas se mettre. Donc on est d'accord que là je suis obligé de passer par des chain drive hein, pour pouvoir tout mettre sur un seul et même truc. Et après je ferai tout sortir là-haut quoi je pense. On s'enverse ça. Bon, en tout cas bien content parce que ça marche bien. Et du coup en fin de compte ce que j'ai fait en dessous. Hop. C'est que j'ai mis mes petits trous à haut comme ça. Et de chaque côté, rotation speed controller à 256, et comme ça j'ai mes deux pompes qui alimentent. Hein. Alors en vrai, c'est overkill, hein, je pourrais baisser. Parce que là, en termes de flotte, j'en ai trop. Je pourrais un tout petit peu baisser, mais en soi, bah ouais, j'ai le nombre de roues qu'il faut quoi. Donc. C'était le base cake qui est à peu près le même que sur Blackstone. Non, ça a rien à voir. Hein. En fait, sur Blackstone Block, je pouvais générer la Netherrack avec l'Ignos Extruder. Hein. Là où en fait, bah actuellement, je peux pas en fait, tu vois.
Là, générer la Netherrack, c'est via des potions, quoi. Via des potions ou la duplication de Botania. En gros. En fait, soit tu passes par ça, mais il faut du mana et du coup faut tu dupliques ta Netherrack, ce qui est un peu chiant. Soit tu passes par ça, et il faut de la cobble avec de la potion de heal. Du coup, il te faut de l'eau, enfin il te faut de l'Aqua Potion, donc en fait de l'eau et de la Netherwart. Donc il te faut un champ Netherwart avec ça, qui en plus faut le chauffer. Donc faut quand même qu'il y ait un truc pour chauffer ton Blaze Burner. Derrière, il te faut un autre Blaze Burner chauffé avec du Glistering Melon. Donc en fait, il te faut une ferme à melon et une ferme à gold. Ça fait ta potion avec le truc qu'on a vu avant. Ça, tu le coules sur la cobble et ensuite tu le coules sur la Netherrack et ensuite ça fait de la Netherrack. Hein. Et ça, c'est une partie de ce qu'il te faut pour faire ton Blaze Cake. Hein. Parce qu'il te faut du coup du sucre. Il faut aussi une ferme à œufs. Hein. Et ça, après, bah derrière, faut l'alimenter en lave. Hein. Donc soit tu fais une usine à cobble que tu broies. Le problème, c'est que c'est de la merde. Spoiler alert. Bon, en fait, c'est bien, mais il faut déjà du Blaze Cake pour le faire, donc c'est un peu con de perdre ta moitié de Blaze Cake avec ça. Soit juste, bah, tu fais une usine à lave, comme on a vu, quoi. Bah, et Pierre, il est en train de préparer le setup à Blaze Cake. Mais lui, par contre, il veut faire la lave avec la cobble. Hein. Et je trouve ça un peu dommage de faire un truc à Blaze Cake, c'est pour cramer la moitié de ton Blaze Cake pour faire la cobble, quoi. Enfin, pour faire la lave, je veux dire, avec la cobble. Par contre, ce que j'avais pas pensé, c'est qu'en fait, là, on entend vachement le bruit des machines en dessous. Après, on l'entend en vrai uniquement quand on est dans le centre de la salle, hein, ce qui est pas trop dérangeant. C'est-à-dire que là, quand on va faire notre setup à Iron, on va pas trop entendre. Donc, puis bon, ça fait partie un petit peu du truc aussi d'entendre la machinerie, quoi. Bon, je vais faire les chaînes drive du coup. Alors, par contre, normalement, j'ai juste besoin de le mettre que d'un côté. Hein. J'ai pas besoin de mettre ça des deux côtés, juste sur un seul côté, puis après on monte. Hein. Alors, attendez, je check des trucs aussi. Il est possible que, il y ait bientôt topé Raid Shadow. Voilà. Hop. Bon, le fait, c'est full ça. Ah, ça commence à être rempli. Hein. C'est pas plein, mais on n'est pas loin quoi. Je sens, on va faire un petit stack de bouboules. Ça va installer le jeu. Ouais, en vrai, en plus, c'est pas une très grosse OP. Hein, là. Enfin, c'est juste, je crois que c'est 25 tutoriels. Hein. Voilà, c'est juste 25 tutoriels à compléter. Et aussi, si jamais il y a 3 ou 5 personnes qui atteignent le niveau 25, ça fait un petit bonus en plus, quoi. Ça sera ça en gros. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Puis, faites-vous d'un côté, ça vous permet aussi de pouvoir soutenir gratuitement, tu vois. Parce que mine de rien, juste le fait de faire le tutoriel, hein, c'est l'équivalent d'un sub tier 3 derrière. Donc, sauf que ça prend 5 minutes, c'est gratos, ça. Donc, salut Yen, comment ça va? Et salut Tsunami aussi. Salut, salut, ce qui arrive, quand allez-vous? Moi j'ai remis un petit peu de charbon là-bas, là, parce que niveau mana, c'est la crise! Niveau mana, c'est la merde! Parce que, en fait, je sais plus, bah, hier pendant que je faisais mon record. En fait, le problème, c'est que moi, tu donnes un fly créatif. Je suis en mode bataille, je couille. Je suis en mode je peux voler, tu vois. Je me dis pas, faut que je fasse attention, d'ailleurs, ça consomme du mana. Donc, hier, je refais mon record pépou, j'étais H24 en 30 fly, même si j'avais plus mes ailes ici. Du coup, je consommais 3 fois 3 fois plus de mana pour rien, tu vois. Mais du coup, j'ai plus de mana en fait. Donc, Timmy est pas encore sur la liste, non? Ah ouais? Il est pas encore sur la liste des streamers à cancel. Aïe aïe aïe. Bon, fait joujou avec sa baguette. Hein. C'est bizarre dit comme ça. Hop. J'ai pas mis de petit coup de quantify key là-dessus. Voilà, ça m'évitera à chaque fois de devoir venir. Voir combien il me reste en termes de stack. Là, je sais que j'ai 5500 de charbon de côté, donc ça va quoi. Ça fait le café, ouais. Je me demande d'ailleurs si ça aurait été possible de l'automatiser. En vrai, ça j'aurais pu automatiser avec la lave en mode. J'ai mes buckets qui arrivent dans un drawer. Ils sont GRT en dessous. Ils tombent sur une chute filtrée. Qui récupère que les buckets vides, et du coup, les buckets de lave, une fois qu'ils sont bouffés, ça fait des buckets vides, et on repart et puis on re-remplit. Ça aurait pu se faire comme ça en vrai, même pas besoin d'un mechanical arm ou quoi. Donc voilà. Suite à la Kamatu. Bon, et ben aujourd'hui, ça va partir sur l'usine d'Iron, je pense. Donc il va falloir qu'on voit exactement ce qu'il y a de follower. Donc il va falloir déjà une prod de cobble.
Ça me fait peur parce qu'en vrai, quand je vois tous les gens là tout cassés avec leurs portes de cobble. Arrête de compliquer la vie, bah elle a dit, ça va finir par péter le serveur. Bah en vrai, eh, franchement, quand je vois mon setup là de lave et tout, et quand je vois ne serait-ce que le setup de Lucide avec son truc pour oxyder le copper, je me dis, ça va, j'ai peut-être 5% de son installation, j'ai de la marge. Oh, c'est un bordel, je suis allé voir hier, mais oh! La taille du bousin, quoi. Je fais combien? Parce qu'en vrai. Là, ça, je la fais pas direct en vrai, je pense. Je pense que je la prolonge, genre de. Je pense que je suis un mini couloir. Bon, le but c'est pas non plus que je me tape 10 heures de chemin pour arriver après à l'endroit où il faut. Parce qu'après, bon, à côté, si jamais j'élargis énormément les salles, faut pas non plus qu'elles se rentrent entre elles, quoi. Peut-être prolonger encore de 5 le couloir et puis après on arrive dans la salle, quoi. En quoi que là, c'est bien, ouais. Ah, y a pas de risque, normalement, que ça aille hit les salles autour. Hein. Ça va, je pense avoir de la marge quand même. Hein. Bon, on n'est jamais trop prudent. Hop. Voilà. Pourquoi il y a eu un truc dans le sol? What? Mais d'accord qu'il s'est passé un truc en dessous là. Secours. En même temps, tant qu'il n'y a pas sur le serveur, mais c'est clair. Hein. Le soir, je me couche, elle est en live dessus. Je me lève le lendemain, elle est encore en live dessus. Je suis là. Qu'est-ce que donc? Je me rends pas compte de la taille de la salle qu'il va falloir. Et je me rends pas compte surtout de comment je vais faire mon setup en fait. En fait, il faut aussi falloir que je cale la prod d'or à l'intérieur. Alors, je pense pas que je vais faire la prod d'or qui recycle tout. Honnêtement, je pense pas que je vais m'embêter avec ça. Parce que je me dis, de toute façon, ça sert à rien de faire un setup trop complexe, c'est pour que ça pète. Hein. C'est plus dans ce sens-là. Ou alors, je le ferai plus tard, quoi. Mais la flemme. En fait, je vois bien ma prod de cobble au fond de la salle, qui est split en deux. Une partie va sur la gauche pour l'iron, une partie va sur la droite pour le gold. Hein. Et derrière. Qu'est-ce qu'il faut exactement pour l'iron là? Il faut un endroit où on va tout laver. Ou alors. Ah non, j'avais dit que je faisais ça différemment. Je faisais une prod de cobble à gauche, une prod de cobble à droite, deux prod dissociées. Oui, c'est mieux de prendre des sociables, parce que si un setup qui va plus vite que l'autre, ça évitera de bloquer l'autre. Hein. Et au fond, et à premier de la salle, ça se split en truc. Hein. Attendez, il fait un screen. Hein. Ouais, à faire ça. On va faire ça. J'aime bien en fait le setup qu'a fait Jimmy en vrai. J'aime bien le truc qu'a fait Jimmy. Ça permet de pouvoir vraiment faire stack par stack en fait. Hein. Ce qui est assez pratique. Hein. Je le ferai un poil différemment sur certains trucs, mais je pense qu'on va s'en inspirer. Nierm hier, qui dit? Putain, mais ma pioche elle a encore rétrogradé, mais c'est quoi cette connerie? Mais qu'est-ce que donc? C'est quoi cette merde? Hein. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. Hein.
Ma pioche, j'ai littéralement changé de rang quoi. Bon bah attendez. Le temps que ça charge un petit peu pour être tranquille, être sûr qu'il y a ce qu'il faut dedans. On va aller ce vidéo. Hop. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. Comment ça va être pas bon? Ça me dit pas que c'était pas chargé alors que j'étais littéralement à 2 mètres à côté. Ah, parce qu'en plus, on a une rondeur de distance qui est quand même. J'allais dire assez élevée, mais en vrai, non. La musique est un peu forte, hein. Ouais, ouais. Ah, elle est même pas. Elle est à peine. Elle est à peine à. Ouais, je sais pas. Ma voix est normalement 2 fois plus forte que la musique, à peu près. Essaye les VS quand ça va. Tu vois, quand c'est un arrière-fond, là, c'est le même niveau. Normalement, non. Ah oui, non, mais attends, mais ma manapoule a été mise à l'eau dans l'autre sens. Hein. Tu sais qu'il y a une tout magouillée là. Bon, tu me diras, c'est peut-être moi qui ai tout magouillé la dernière fois en essayant de virer des trucs. Ah non, mais j'ai rien magouillé du tout, c'est parce que j'ai reposé des manapoules. Hein. Oh, c'est parce qu'en fait j'avais tout cassé ou. Vu que j'ai reposé, du coup ça reset le truc. Bon, théoriquement on devrait avoir ce qu'il faut. Ok, toi ça, superbe, écoute. Hein. Charge superbe. Hein. Ouais, j'ai vu, ils ont réussi à retrouver un œuf de dragon et le dupliquer et tout, et puis ils en ont mis plein en spawn là hier. Je sais pas comment ils en ont retrouvé un. En vrai, peut-être qu'avec Quark ça a refait spawn les œufs de dragon. Je sais pas. Quand j'ai le même niveau, c'est la mienne qui a le même niveau que la voix et c'est dérangeant, je trouve. Hein. Enfin, normalement, elle est pas au même niveau en fait. Non, après, ça dépend peut-être de vos réglages son derrière. Quelle taille on a fait cette salle hein. On l'a fait de 25 je pense. Mouah. Après 25 ça me paraît énorme pour ce que je vais y faire en fait. Mais d'un côté ça me laisse derrière libre cours pour pouvoir pouvoir au pire plus optimiser la prod de gold quoi. Donc bon. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Fais-y, on en a redonné un en créa et gold river et ça t'épique après. Ok, ok. Ouais, après ça fait grand en vrai là. Ah merde, attends, j'ai compté ce bloc ou pas? Wait. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25. Oh! Bon, tant pis. Boucher ça temporairement. On verra après. Alors attends, parce que du coup là on est au milieu ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. T'as pas de si grand que ça 25 en vrai hein. T'adorais le faire mais Ah attends j'ai fait 10 en comptant quoi ça. Merde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, 8. Ouais normalement on a 12. Mouis. Ouais, comme ça je peux tout creuser en fait en 5 par 5 quoi. Par contre, il y a un truc sur la carte que je vois qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a l'air d'avoir une grotte. Alors je sais pas si elle est en dessous. Ou si jamais elle est devant nous en fait. De toute façon on va très vite le voir en mode est-ce que là on va rentrer dans la faille ou pas. Bon, bah voilà. La réponse elle a vite répondu.
C'est une mini grotte en vrai, hein. Tu prends un petit stack de torches et puis on n'en parle plus, hein. Je m'attends qu'on en a 1.18 les torches, franchement. On pose une tous les 3 km et c'est bon quoi. Marrant comme grotte ça. Oh! Salut! Ah, émeraude je prends, hein. Ah, je sacrifie sans peine un stack de cobble en échange d'une émeraude. Putain, mais il y a des mondes partout ici! Incroyable, hein. Mec en train de coller sa salte et puis en fait il prend en exploration de grotte, hein. Permet comme ça de pouvoir torcher un petit peu pour éviter que ça spawn partout sous terre. Bon, même si normalement là où on est censé avoir une torche master, donc pas une négator, je veux dire. Le mode torche master. Ce qui fait que ça devrait pas trop spawn en grotte. Hein. Mais dans le doute, on est clair. Bon, on va revenir dans la salle. Hein. Après, c'est avec mon avis vision, je vois pas très bien si jamais c'est bien éclairé ou pas. Mais normalement ça devrait aller. Hop. Bon, pour l'instant on va faire ça. J'ai déjà me vider un petit peu parce que pas non plus envie de laisser 4 000 entités au sol là. Ouais, du coup ce métier ils ont d'agivant en créa quoi. Bon, de toute façon après on peut te dire pour ce que ça sert. Hein. Mais ça se trouve, il y a un monde ou quoi que ça permet de refaire spawn les œufs de dragon. Parce que je sais qu'en modé, généralement sur les packs, t'as même parfois t'as plusieurs modes et du coup t'as plusieurs œufs de dragon qui respawn. Bon, là il y en a qu'un, mais c'est vrai que parfois en fait t'as Draconic Evolution qui t'en donne un. Parce que Quark te donne des Dragon Scale, donc il y a peut-être un monde où ça te fait pop aussi un œuf de dragon à chaque fois que tu retues le dragon derrière, tu vois. Attendez, parce que. Le mec, je dis qu'on peut commencer la semaine prochaine, hein. Il me parle le 20. Le 20, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Bon, bah, ça, c'est tout bon. On va aller closer ou. Par là-bas. En fait, ça me perturbe parce que c'est vrai que là-haut, en gros, en fait, là, quand j'atterris ici, c'est vers l'est, alors que là-haut, c'est vers l'ouest. Bon, là, en soi, ça, en vrai, c'est une fausse excuse parce que du coup, quand je descends, c'est tout droit, mais c'est plus quand je remonte que c'est perturbant. Ah. Nexoui qui s'en va. Et moitié du mur c'est de la cobble, hein. Bon bah voilà. Alors est-ce qu'en vrai ça suffit? Bon, le plafond on va l'augmenter déjà. Là c'est clair qu'on va le creuser au moins de 2 en plus. Parce qu'en soi, bon, avoir une petite prod de cobble de chaque côté, là ça pose pas de problème. Moi je verrais bien, t'arrives ici, t'as genre ton drawer controller qui est là quoi. Genre ici et là, t'as genre. En vrai je peux même l'avancer un petit peu plus, hein. Je vais me le mettre là genre. Canard. En gros là t'arrives, là t'as ton drawer controller, tu chopes ton iron à gauche, tu chopes ton or à droite, hein. Au dessus t'as genre le flint et puis le quartz qui arrivera après qui sont dans le même drawer, hein. Donc, en gros là j'ai mes drawers quoi. Ce qui fait que derrière on... ici il faut que j'ai un tapis quoi. Ici j'aurai le petit tapis qui sera d'ailleurs probablement dans le sol en vrai. Là j'aurai mon petit tapis.
qui viendra acheminer le tout quoi. Donc là c'est mon arrivée quoi. Ouais. Alors attendez. Ou alors je fais pas de tapis. Et je remplis directement ça avec des mechanical arm à la fin. Ouais non t'appuies c'est bien ouais. Arrête c'est juste que du coup. En fait j'aurais genre mechanical arm c'est plus propre hein. En fait, t'as le truc, c'est qu'en fait, tout va être un peu rassemblé. Donc là, en fait, toute cette partie-là, ça va être la prod d'iron, là, sera la prod d'or. Et on peut faire en sorte que les items arrivent là. Et genre, j'ai un mechanical. Après, je veux même avoir un mechanical arm central. Hein, qui est genre là. Qui vient piocher les items qui arrivent, peut-être ici. Et les items qui arrivent, peut-être. Genre là, quoi. Bon, ils sont plutôt là et là, je pense, les items d'ailleurs. Mais. Du coup, j'ai mon mechanical arm en plein milieu. En le faisant tourner rapidement, il devrait aisément venir choper à gauche à droite ce qu'il faut. On va pas y avoir de soucis là-dessus. Ouais, je sais que j'ai. En fait, justement, je m'inspire un peu du setup de Café de Jimmy là, justement dans la base de pierre. Qui est assez clean. Hein. Sauf que eux ils ont juste une seule prod de cobble, moi j'en ferai deux pour le coup. J'en ferai en fait deux plus petites plutôt qu'avoir une grosse. Comme ça au moins il y a vraiment le côté à iron et le côté à gold qui sont dissociés si jamais il y a une couille sur un des trucs. Ok. Bon en vrai je vais vider l'inventaire et puis on va commencer à prendre un petit peu tout ce qu'il nous faut quoi. Au moins commencer à bidouiller 2-3 trucs pour se rendre compte de où vont arriver les choses, comment ça va se faire. Etc. Je vais build à l'envers, hein, comme souvent. C'est plus simple. Hein. Ça évite de devoir tout bouger après, en fait, au bout d'un moment. Parce que tu te rends compte qu'au début c'est de la merde et que t'as pas la place au final. Hein. Alors, bon, j'ai des cogwheels, j'ai des shafts, j'ai des trucs pour faire tourner. Oh, les shafts, peut-être avoir un peu plus, je sais pas beaucoup. Voilà. Il y en fera pas mal de chutes. Hein. Il y en fera pas mal de chutes. Je pense que je vais en mettre au moins 5. Hein. Enfin, moins 10 du coup. Et ça sera en smart. Hein. Et les smart, du coup, c'est avec du bras. Ah oui, putain, c'est avec l'élite ton tube aussi. Oui. Bon, on fera l'autre moitié plus tard. Hein. Ciao, mon pote. Peut-être falloir qu'on aille miner aussi. Hein. Je vous le dis, là niveau iron, il nous en reste 50. Hein. Donc. Il nous en reste 50 et on n'est même pas au début de nos peines. Alors. Attendez, parce que Mister m'a dit que normalement je pouvais déjà tout voir dans mon dashboard. C'est très froid, comment ça va? Pépé, pouet, tweet, tweet. Ah, c'est bon! Le sable ça fait de l'argile aussi, donc faut que tu prévois un truc pour soit le jeter, soit le garder. Pour le gold? Ah, c'est vrai que le sable t'as pas le choix d'avoir l'argile. Après, je peux toujours la stocker en fait à la fin. Hein. Et ça me.
Comptos, le fait qu'il y ait 15 000 pages, là, tu tapes sable, là, c'était pour le chercher. Ouais, le film, je stocke déjà. Hein. Ah, ça m'arrange en vrai qu'il y a une cinquième sortie du coup d'item. Parce qu'en fin de compte, en fait, j'aurais. En gros, au milieu en bas, c'est le drawer controller. En bas à gauche, l'iron dans un compacting drawer. En bas à droite, le gold dans un compacting drawer. Et au-dessus, j'aurais trois drawers normaux, dans lequel j'aurais à gauche le flint, au milieu. Qu'est-ce que je mets au milieu? Bon, l'argile, à droite, le quartz, quoi. On fera ça. On fera ça, on fera ça. Parce que l'argile, c'est toujours bien en vrai d'en avoir en stock. Peut-être qu'on en aura besoin, je sais pas, avec Bazon, si on veut des briques ou autre, je sais pas, pour des gardes, trucs comme ça, tu vois, genre. Au moins ça fera une petite prod, quoi. Mais bon, de toute façon, pour l'instant, on n'y est clairement pas encore. Tout. Hop. Pour le fait. Ça c'est bon, il va falloir devant Nitello. Les fans, je crois que c'est chiant à faire. Ouais, je confirme. Hein. C'est cher surtout. Je vais faire une vingtaine de plates. Hein. Garder un peu d'iron quand même en non-plate parce que bon, si jamais j'ai besoin de nuggets ou quoi. Hein. Après, tu me diras, attends, je dois avoir un petit peu d'iron quand même qui traîne. Bon, j'ai ça à crocher, j'ai ça à cuire surtout. Maintenant, j'en ai pas. Hein. Non. Toi, j'ai que du copper. Hein. Nigas fait la base, ouais, bah on commence. Hein. On commence tranquillou. Hier, on a fait là, toute la prod à vapeur là pour pouvoir, du coup, derrière actionner toutes les machines en fait, quoi. Pour pouvoir tout faire tourner dans la base. Hein. Alors, il va falloir 2 ans d'hésite l'œil. Hein. Et c'est quoi sur les côtés qu'il faut? C'est des cogwheels, des shafts et de casing. Ouais. Jusque là, ça me paraît ok. Nice! Bon, faudra de l'eau, mais ça, on verra ça quand on y sera. Il me faudrait 2 dépôts en plus, idéalement. Pour que Mister il ait un endroit où choper des loots. Ah putain, il y a une arme. Okay. Ah, c'est un œil. Hein. Hop! Ça, c'est bon. Il va falloir un bras. Non, les bras c'est chiant hein, parce qu'il va falloir. Ah, il m'en faut plein quoi. Ah, il m'en faut au moins 2 pour setup. Hein. Il m'en faut au moins 2. Il m'en faut un pour distribuer les trucs sur les tapis. Enfin, sur les dépôts. Il m'en faut un à la fin pour récupérer le tout. Ouais. C'est le hasard Fandor, comment as-tu? Je réfléchis à d'autres trucs. Bon, on va en faire 2 d'un coup. Hier j'en ai fait 2 d'un coup. En vrai, les faire 2 en même temps, c'est assez marrant à faire. C'est pas trop contraignant. T'inquiète, bah, ça va nickel. Hein. Ça va nickel. Hein. Alors, il va falloir 10 cogwheels. Il va falloir 10 larges cogwheels. En fait, create à chaque fois, tu te dis, bon, vas-y, mon setup, je vais le torcher en 10 minutes. Parce qu'en fait, a priori, il n'y a rien à faire. Mais déjà, tu passes déjà 3 quarts d'heure à faire les crafts. Déjà, rien que ça. Oula, ouais, on se calme. Alors. Je sais pas un truc, je peux mettre là. C'est okay. Quoi de prévu aujourd'hui? Ferme iron.
Nice, on a eu les deux. Ah parce que hier, j'ai voulu faire un craft, hein. Ça a pété à où? Je me suis fait niquer. Il faut ça, il faut ça, et il faut ça. Et là, je vais mettre deux bras. Parfait. Bon, du coup, j'ai plus beaucoup de cogouilles là. Voilà. On n'en parle plus. On va prendre un peu de shaft. Ouais franchement on va devoir comme ça déjà proposer, avoir un petit ordre d'idée de comment on va s'organiser, de savoir déjà si la salle est pas trop petite aussi par rapport à ce qu'on veut. Parce que Mister, bon lui même si pour l'instant il fait rien, Mister il est là en gros. Pour la faire clair, enfin, pour la faire simple hein. J'ai peut-être même déjà... Ah j'ai préparé un troisième dépôt et en vrai je vais faire... Donc, ah, peut-être parce qu'il est pas relié à des drawers autour de lui? Hein. Comme un gros doute. Ah, je peux pas cliquer dessus. Oh, ça m'emmerderait ça! Ah, sinon, ça finit en tapis! Hein. Après, est-ce que je peux pas genre cliquer sur un. Ouais, non. Faudrait que genre j'ai un funnel collé contre le drawer.
C'est un peu yesh quoi. Peut-être un dépôt en plus du coup que je colle contre le funnel. Hein. Enfin, on va voir. Ah! Sans les combats. Alors. Parce que si je mets un funnel là, comme ça, tout de suite, là. J'ai beau le mettre comme ça, le bras il va pas choper le funnel, tiens. Genre là, il y a un monde. Ou là il se vide dans le funnel. Hein. Oh ça m'arrange. Hein. Ah merde mais j'ai pas quoi faire tourner. Le con. Automatique et cake pour le Blade Runner, non. Je ne suis pas sadique. Hein. Et ça météo quand as-tu. Là j'ai un bumper. Ça va, le truc c'est que je mettrais bien les tapis plus haut. Ouais mais si je fais ça c'est que c'est chiant quoi. Si j'ai un tapis comme ça. Non. Ouais, tu me diras je peux le tourner le shaft, normalement je peux aller à la branch. Comment ça? Allô? Ça, en fait, si je mets les tapis aussi haut, c'est-à-dire que dessus, j'ai ça, et encore dessus, j'ai ça. Oh, ça fait un peu chier, on va devoir tout aussi haut, quoi. Là, tu vois pas grand-chose à ce qui se passe, quoi. En même temps, je veux pas qu'ils soient trop enterrés non plus. Pour ça qu'on va juste les mettre à ce niveau-là, je pense. Hop. Ok. Voilà, comme ça, t'es bien sûr de rien voir à ce qui se passe en dessous. Je sais pas si c'est bien en vrai comme ça. Là, t'es sûr que si jamais ça couille en dessous, tu sauras pas pourquoi. Ok, bordel. Hein. Parce qu'après, le bon but, c'est de tout filtrer, évidemment. Ah putain, mais du coup, il va falloir des filtres dans chaque truc. Hein, parce que vu que j'ai deux sorties d'items. Hein... Oh. Pour la galère. Tu connais un mode qui aide au lancement du jeu? Voilà. Et c'est Foregon. Bon ça va. Mais ça va nickel Mathéo. Et le savoir dont il est privé. Bon. D'ailleurs là derrière il me faudra des chaînes rails hein, parce que sinon ça va pas tourner dans le bon sens. En fait, ça va être un beau bordel en vrai, hein, en faisant que ce soit aussi haut. Hein. Ça va être un beau bordel. Hein.
T'as presque envie d'affaisser toute la salle en fait, hein. On te fait la même ferme que Retox. De toute façon, enfin, il n'y a pas de même ferme qu'un tel ou qu'un tel. Enfin, ouais, de toute façon, t'as pas le choix de passer par. T'as pas 40 000 façons de le faire, de toute façon, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, non, je vais tout affaisser de 1 encore, je pense. Hein. Putain, ma pioche! Elle est où ma pioche? Pour le coup. De ma pioche. Bon. Sur chier. Dégage. Du coup, alors ici on va avoir le bumper. Bon, je l'ai pas sur moi donc je le matérialise par ça. Avant ça, on va avoir les tapis ici. Et donc là-dessus, on a les chutes. Et là-dessus, on a les dépôts. Ce qui fait que là, là-dessus, on aura les ventilos. Ouais, pas trop mal cette histoire. Je vais aller chercher le bumper là. Je sais bien comment ça s'appelle d'ailleurs. Wait Ejector, très bien. Ça, je vais prendre ça. On va se prendre un petit stack d'andésite là. On va se faire un peu de truc avec les nuggets là. Je vais me faire pas mal de casing. Je vais me faire un stade de casing, je pense. Je vais m'en utiliser pour la déco et tout. Et puis il m'en faudra aussi de toute façon pour cacher les cogwheels, les shafts et tout le bordel. Ah, plus sympa. Et merci, Motep, pour le Prime. Merci beaucoup pour mon sub. Mon deuxième mois d'abonnement, qu'en as-tu? En vrai, j'ai hâte qu'on aille faire le chouchou avec Baal. Là. Ça va être trop bien là, ce truc là, ici, comme ça. Là. On va arriver là, on va traverser la montagne. Et en gros, sa gare sera là-bas, je crois. Et il y a un monde. En fait, il faudrait qu'on voit où est-ce qu'on fait notre portail du Nether. En fait, soit on fait genre, par exemple, quand il arrive, il peut partir par là et après il part dans le Nether, genre ici. Et moi, du coup, j'arrive là et je bifurque ici vers le Nether. Ça éloigne un petit peu. En même temps, c'est à mi-chemin entre nous deux, donc on va voir. On va voir comment on gère tout ça. Hop. Bon, attends, je prends ce qu'il y a là. Ce sera déjà ça de pris. J'ai pas fait mon weight éjector. Secours. Alors, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir un dépôt, il va nous falloir une petite plate en gold. Bah, dépôt, ça tombe bien, j'en ai un trou. Jusque là, c'est parfait. Petite plate en or. Hop. Et c'était une cogwheel avec, je crois. Hein. Donc ça, dépôt cogwheel en dessous. Ouais. Bruce. Espérons que ça passe par contre de là où je vais faire sauter à là où je vais faire arriver.
Ça va pas poser de problème. Après, je peux toujours affaisser le dépôt que j'ai mis en arrivée aussi. Oula. Secours. Hop. Ah, mais là, y'a aucun monde où là tu passes de là à là en fait. D'accord. Y'a un monde là? Ouais. Oh bah, si y'a un monde où ça passe, bon plan. Hein. Et ça marche. Ça marche, c'est fine. Hein. Ça marche toujours là? J'ai un gros doute là. J'ai comme un gros doute. Hein. Bon. Le souci étant que. Faut de la flotte. En vrai, on peut utiliser les mêmes trucs qu'on a utilisé. Je sais pas s'il m'en reste. Hein, que ce qu'on a foutu pour en dessous pour la lave là. Parce que plutôt que mettre des chaves dégueulasses, on va utiliser des verres, du verre. Hein. Ah, bah il m'en reste en plus pour faire. Alors attends, est-ce que j'en ai assez? Parce qu'il m'en faut 2, 2, 2. Ouais. Ouais! En gros, là on a l'eau. Ok. Bon, il manque la flotte. Hein. C'est le problème. Si j'ai pas l'eau. Merde. Ah, après, attends, j'ai pas une source d'eau infinie qui. Ah non, je l'ai bouché. Ouais, je me fasse un deuxième bucket parce que j'ai pas envie de faire deux allers-retours là. J'ai pas un bucket qui traîne là-dedans? C'est hasard, non. Et tous mes buckets sont dans mon setup à larve. D'ailleurs, setup à larve, il tourne toujours? Il tourne toujours. Hein. Niveau lave, on est bon, on est full en fait. Hein. Ouais. On produit 1000 fois plus de lave qu'on en consomme. C'est bon signe. C'est-à-dire que si jamais j'ai, enfin, par exemple pour ma prod en Andesite, je sais que je pourrais y aller bien plus mollo sur la lave. À quoi qu'après, en Andesite, ça va être différent parce qu'en Andesite, vraiment, tu la consommes en permanence la lave. Hein. Donc on verra. Mais au moins, ça montre qu'on peut en produire quand même aisément. Donc là, on a ça. Derrière, il va falloir que ça arrive depuis ma crushing wheel. Ma crushing wheel, je la veux où? Idéalement, on va faire ça symétrique. Hein. De manière symétrique. Hein. De toute façon, en vrai, je peux coller le tapis ici parce qu'au pire. Hein... Tapis, ça. Parce qu'au pire, ça vient se vider là-dedans. Et du coup, là, on peut partir de directement dessous ma crushing wheel, c'est-à-dire ici, quoi. Parce qu'en gros. Même si j'ai un bras sur le côté qui va venir choper pour vider dans l'intérieur, hein, c'est pas grave dans le sens où. En fait, ça pourra pas sauter vu qu'il y a un dépôt de toisson devant en fait. Par contre, du coup, toi tu prends de n'importe où sur la belt, mon coco. Tu viens de vider là-dessus. Voilà. On est d'accord, comme ça c'est bon. Hein. Pas besoin de le faire sélectionner jusqu'au bout non plus. Hein. Salut monsieur Archel, comment ça va? J'y pense, comment je vais faire tourner ce bazar là? Pourquoi faut que j'alimente ça aussi? J'ai ça à alimenter aussi. Après ça, bon, je me fous là-dessus, ça on en parle plus quoi. Ça, tu fais ça et puis finito quoi. C'est bon quoi. Qui c'est que c'est setup hein. Mon bras a dit qu'il y avait un dépôt trop loin. Ah ouais. Ah ouais, le dernier dépôt, il y a pas. Ah ouais.
Là, normalement, il a accès à tout. Il n'y a pas de souci. On va commencer déjà à voir pour faire tourner tout ce qu'on a là en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'arrive à acheminer. C'est pas possible de split le tapis avec des tunnels hein. Si. Oh, c'est plus joli avec un bras en vrai qui vient tout remplir, tu vois. Je sais quoi, c'est la prod d'Iron hein. Soit faudrait que j'arrive à partir de en dessous ici. Plus lent. Ouf. De toute façon ça sert à rien que ce soit rapide hein, parce que ça va mettre une minute à chaque fois à tout transformer par dépôt donc envie de te dire hein. Pas besoin que ce soit rapide hein. Vu que ça prend stack par stack Tant que ça, bah en vrai si t'as une bonne prod de cobble en amont En fait, la crushing wheel ça va sortir stack par stack presque le gravier et ici par la chute ça va arriver stack par stack et puis voilà. Après, je peux même faire en sorte que ma chute éjecte forcément par stack. Enfin, en gros, ce qui va se passer c'est que ma cobble en amont va arriver dans un drawer et du drawer je sors exclusivement des stacks en fait, je pense. Et comme ça, quoi qu'il arrive, ça arrivera stack par stack et ça viendra se transformer stack par stack et puis on en parlera plus, je pense. C'est le plus simple. Du coup, faudrait que j'arrive, genre au moins partir d'en dessous ici. Bon, là je suis en quoi? Je suis en 3388, hein, 76 moins 5888. Hein. Ah, il me faut mes chaînes drive. Hein. On est d'accord qu'ici, à la chale, faut que je mette des chaînes drive de toute façon pour tout connecter sur un seul et même point. Je vois pas comment tu les relies entre eux sinon. Parce qu'en fait ils tournent tous dans le même sens et du coup si tu mets des cogwheels déjà t'as niqué. Et tu trouves ça marche? Bah non parce que le soleil de là est... Ah ou alors tu mets déjà les petits trous et après tu mets le moteur hein. En gros je mets ça. Ici je fais ça. Oh le génie. Incroyable. C'est un peu dégueulasse. C'est pas grave. En fait, c'est chiant que ce soit pas symétrique du coup. Parce que sinon, j'aurais pu faire un truc. Ouais, non, ça aurait été tordu du cul. En fait, sinon, tu mets 5 moteurs à gauche, 5 moteurs à droite et tu mets que des verticales gearbox au milieu quoi. Et comme ça, t'es sûr que ça monte quoi. Bon, t'as un moteur en trop qui sert à rien, mais. Là, c'est symétrique quoi. En vrai, idéalement, je vais déjà me mettre au milieu ici, ce sera plus simple après pour dispatcher. Faut voir quoi que ça me fait chier de claquer 3 gearbox pour ça, quoi. Enfin 2 gearbox. Vas-y, quand même. Ah, de toute façon, là, je suis déjà en 76 en fait, je suis déjà à la hauteur où je veux acheminer mon truc. Hein. Bah, du coup, c'est con, il faut que je remette une verticale gearbox juste là pour partir en face quoi. Gearbox, à force, moi.
Enfin, on va faire ça différemment. Peut-être pas trop remonter non plus. Peut-être me ferait une verticale gearbox ici pour renvoyer le truc par là-bas pour après les bidouiller à gauche et à droite ce qu'il me faut. Avec quoi de beau, ça prépare une forme d'iron. Hein. Je me fais chier pour pas grand chose. Hein. Sur application, c'est connecté 350. Ah ouais? Bizarre. Bizarre, bizarre. On va faire un tout petit peu de cogwheel quand même, ce qu'il va falloir. J'ai déjà liquidé mon stock de shaft en fait, quoi. Cours. Ouais, je crois qu'il va falloir refaire une session de minage en dédit très rapidement et. Ça va pas mal aider. Bon. Hein? Ah oui, c'est une gearbox normale. Forcément. Ça marche pas bien. Parce que là, en vrai. Voilà, on s'embête pas, on fait ça, on fait ça. Ça. On met un petit coup de casing et on en parle plus. Hein. Ah, mais attends, mais je suis sur une speed de combien? Parce que là, en fait, j'ai absolument rien accéléré du coup. Oh! Après, j'ai pas besoin que ça tourne très vite ici. Et sur une speed de. On est sur une speed de 64. Ce qui en vrai, honnêtement, raisonnable. J'ai pas besoin de plus pour le setup, je pense. Le bras, j'ai pas besoin qu'il aille à Mach 10, hein, ça sert à rien.
On verra. Au pire, je mettrai en rotation speed controller quelque part et je boosterai tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même pas pensé à la vitesse. Donc ça, c'est bon. Faudra que je vienne actionner tout ça aussi. Sachant que là, ça va me faire tourner mon tapis ici, mais alors faut que je fasse tourner dans le bon sens. Hein. Donc ça, au pire, je verrai juste sur quel cogwheel je me connecte par rapport au, pour le sens. Et derrière, faut que je fasse tourner celui-là aussi, faut que je fasse tourner ça, faut que je fasse tourner ça. Bon, ça va être casse-gueule. Hein. Je crois que j'ai clairement pas le nombre de gearbox suffisantes pour tout faire. Parce que là, idéalement. Ah, déjà, je me suis mis un bloc trop bas, quoi. Déjà, j'ai ça pue. Que là ça tourne comme il faut. Allô? Oh, attends, je t'ai pas pris le meilleur exemple. Pourquoi il tourne pas lui? S'il veut le bougre. Encore il est bon. Ah c'est marrant, tu dois les faire tourner avant de les mettre en. Ouais, d'un côté c'est logique parce qu'en fait non t'as pas la place. Ah par contre il y a le plafond. C'est-à-dire que là si tu drop un item. Hein... Ah l'item ça passe. Ok. Moi ça passe pas mais l'item ça passe. Parfait. Bon bah ça on peut le cacher temporairement, on le cachera plus proprement après. Clairement. En vrai je peux toujours le cacher comme ça, pire. Alors est-ce que là ça marche si je fais ça? Ça a l'air hein. Alors il est gêné en vrai. Hein. Et du coup faut que j'amène l'axe de rotation qu'on a ici et que je le fasse bidouiller jusque là quoi. En gros. Là ça va jamais tourner, j'aurais jamais tourné dans le bon sens. Hein. Non. Ah mais là ça me ferait faire 3 gearbox, j'ai un peu la flemme de passer par ça. Bon sinon je mets une gear shift hein, si c'est juste pour le faire tourner dans le sens que je veux, hein, on n'en parle plus. Hein. Ou alors je mets deux cogwheels, enfin deux gearbox à la suite quoi. Parce que attends, si tu mets notre gearbox, on est d'accord, oui, c'est inverse sans orientation. On va aller refaire quelques gearbox. Hein. Le cul est tapis de 1 et gearbox. Hein. Ah oui, attends, ici, c'est vrai que je peux l'amener de 1 en plus. En plus, c'est pas du tout ce que j'ai fait hier. C'est pas du tout ce que j'ai fait hier. Hein. Il est dans le bon sens là. Ouais, parfait. À chaque fois, je me prends le chou pour rien, quoi. Bon, bah, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est actionné, ça, c'est actionné. Après j'ai quand même Mister ici qu'il va falloir que je fasse tourner quoi. À un moment donné il va falloir qu'il taffe lui. Et là ça devient plus chiant de lui amener le truc du coup. Après je peux toujours l'inverser et le mettre en face. Hein. Peut-être faire ça en vrai vraiment relou. Oh, quoique ça sera quand même chiant en fait. Hein. C'est vite, t'es... En fait lui t'as oublié de faire tourner avec un... Avec un cogwheel quoi. Ah, ça se fait. Hein. Pire, je le mets là. En dessous, j'ai genre une verticale gearbox dégueulasse ici qui vient choper le truc de là quoi. Oh, ça va être horrible. Ça va être immonde, mais ça va fonctionner. Trust. Hein. Ou alors, je remonte là-dessus de manière ignoble. Hein. Passe aussi. Ça m'économise les gearbox. Hein. Hop. Donc ça, tout alimenté pour l'instant.
C'est-à-dire que là... Ah, y a le tapis, il tombe pas. Bon, ça n'empêche que ça pose quand même comme il faut. Ah oui, tain, mais attends, mais j'ai pas filtré en dessous. Oh oui, puis je vais m'amuser à mettre les filtres maintenant. Alors, est-ce que l'item, il arrive à destination? Alors, je suis censé avoir... Ah oui, il est arrivé là. Attends, tu vois. Ah bah ouais, ok. Bon par contre faut que j'aille faire 10 filtres. Hein. Et que je filtre les Iron Nuggets et le Flint. Hein. On va le faire maintenant parce que c'est un truc que j'ai forcément oublié en fait d'ici la fin et ça va niquer tout mon setup. Hein. Donc, filter. Pas besoin d'un attribut. Hein. Donc il va falloir... Attends, c'est de la laine. Oh! Ouais. Bon ça coûtait cher cette histoire. Hein. Ah, est-ce que je peux filtrer les 10 en même temps? On va bien voir. Donc on est bien en whitelist. Les 10 sont le truc? Oh, ça serait incroyable si les 10 sont le truc. Hein. Ça, on va très vite être fixé. Hein. Alors, se salir. Que toi par exemple tu prends la cobble. Non. Parfait. On va faire pareil en face. Bon, le shaft tu dégages. Eh, c'est bon. Voilà. Toujours poser les filtres en premier. Ça évite ce genre de problème. Pourquoi j'avais une gearbox ici? Oui, c'était pour le truc au-dessus. Voilà. Et donc... On est d'accord que là, si je tire ça... Ah, oh, fait chier. Fait chier parce que là, il tourne dans le bon sens. Mais si je le cogouille, il tournera plus dans le bon sens. Je peux chain drive en vrai, hein. Et je m'embête pas. Hein. Ou alors j'alimente un bloc à côté, mais pff, un peu con quoi. Parce que soit je le mets là, hein, et je fais genre truc immonde de ce genre-là, qui est quand même sacrément moche. Hein. On va chain drive et tout. Ce sera quand même un peu plus esthétique. Gearbox au tapis? Ouais mais j'ai pas de gearbox sur moi. Ah après je peux mettre un tapis vertical. Hein. Ouais non mais tapis vertical c'est horrible. On peut faire ça hein. À tout moment. Merde. Le con, tout cassé. Non ça vire, ça vire, ça vire, ça vire, ça vire. On va faire la chaîne drive. La Bello du coup il me fout tout sur mes dépôts là. À l'aide. Ah ça manque d'une petite télécommande pour venir récupérer ces items sans avoir fait les arrière-pour à chaque fois. Hein. Bah attends déjà ça j'ai plus besoin. Tac tac tac. On dépose. Alors chain drive. C'est quoi? Oh bah c'est bah, ça là. On a connu plus cher. Franchement en vrai ça coûte moins cher que des gearbox en fait. Hein. C'est con hein. T'as eu une chute de tension? Comment ça hein? Tension électrique ou tension artérielle hein. Avec ce système de tapis. Ah très bien mon système de tapis, un problème. T'as un problème avec le tapis? Et pendant un temps, il y a tout qui marche. Hein. Alors c'est vrai que derrière, il va falloir que je relie ça. Ah putain, mais là aussi, il faut des chaînes drive. Hein. Hmm.
Bah, soit je gearbox. Gearbox. Mais du coup, il faudrait que je recule tout de 1. Ce qui en vrai. Vraiment. Soit je monte déjà ça ici, on recule de 1 et on chain drive. Ça. On va tout cacher, ça va être joli. Putain, il faut trop de gearbox, hein. Mais là, j'ai plus dans des étoiles, quoi. Avec une malle, tu vas pas rejoindre. Si, mais c'est dégueulasse de foutre des tapis partout en fait. C'est un peu immonde. Hein. Non pas que ce que je fasse soit plus joli, mais ah, j'ai plus d'andésite. Hein. C'est la crise. Hein. Bon, attends, j'ai des trucs, j'en ai clairement pas besoin pour l'instant. Fleet pipe, je suis pas prêt à en utiliser. J'en ai plus besoin. Le bucket de saveur non plus. On va laisser faire un petit stock d'andésite vite fait. Un chemin de cogwheel? Ouais, après, chemin de cogwheel, c'est pareil en fait, même quand tu les caches, c'est un petit peu moche. Donc, je préfère utiliser directement des gearbox ou quoi, où tout est plus encastré et moins. On est présent partout quoi. Alors, cherchons de l'andésite. Ah, il y a un filon au sol, mais il est un peu ridicule. En même temps, je sais pas si on va vraiment faire le difficile. Hein. Ah, là, c'est pas mal ça. Oh, c'est même très bien. En vrai, pourquoi faire une ferme en andésite quand tu peux juste t'as des mines 30 secondes quoi. À peu près déglinguer le truc. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ok. Moi, je pense qu'on a ce qu'il faut. C'est quoi l'armure que j'ai? Putain, je suis pas allé là-bas. Ça fait bizarre de voir les grottes maintenant. On voit vraiment de loin ce qu'il y a au fond. Qu'on n'est pas en hors distance de 3 chunks. J'ai jamais vu des grottes comme ça encore. C'est Dream. Hein. Oh, ça va. Et l'armure que j'ai, c'est l'armure en terre à style. Hein. Ah, je pourrais mettre Bobby. Déguise. Petit Bobby. Bien faire monter l'ordinateur. En fait, ça dépend, c'est random, c'est selon la charge du serveur. Vu que là, on est d'autres connectés, j'espère bien que le serveur. un peu moins de mal. En fait, ça dépend. Chez moi, il a pas grand chose à charger vu qu'il y a strictement rien de setup, tu vois. Faut pas être pressé, hein. Du coup, on va pouvoir se faire la blinde de shaft. Hein. Ça va être cool ça. Ça fait enregistrer les chunks en local pour les afficher sur ta render distance perso plutôt que la limite du serveur. Hein. Oh. Ouais, à l'arrière. Bon, en vrai, ça serait. Et ouais, c'est bien. Et en même temps, je me dis que de toute façon, ça a un peu bizarrement fonctionné avec les modes chelous qu'on a avec le fog de partout et tout là. Ah, putain, par contre, j'ai plus de place là-dedans. Et en vrai, les trucs de slate là, je sais que ça, je vais jamais m'en servir hein, pour quoi que ce soit. Je la stocke pas sur le côté, ça? Benalia, comment ça va? C'est bon. Alors, on va faire la moitié en shaft. Hein. Cette moitié, on va la faire en cogwheel. Enfin, en tout cas, une bonne partie. Et déjà, on sera pas mal. Hein. Et comme ça me permet de pouvoir faire quelques gearbox. Hein. Vas-y, on va faire 12.
D'ailleurs, je vais reprendre un stack de planches. On va se refaire un stack de cogwheel. Voilà! Et de toute façon, là, j'ai à nouveau pas mal de trucs derrière qui arrivent. Hein. Matt, t'as plus de voix? Bah bravo! Ah, bravo! Bon, avec ça, on devrait être bien. On devrait être bien. Hop! Alors, attends, c'est là-dedans. Voilà! Bon, bah, c'est reparti! On va mettre 3. On va en faire 3. Voilà. J'aime bien la question qu'on a dans le modèle. En général, j'utilise un mode qui permet de claim and chunk, mais dans d'autres dimensions, j'ai l'impression que ça ne charge pas. Quand tu retournes dans l'Overworld, tu as une idée pourquoi ça ne les charge pas alors qu'ils sont claim. Parce qu'en fait, le fait de claim, ça te protège juste contre les explosions ou le griefing d'autres joueurs en fait. Le claim ne chunk load pas en fait. D'ailleurs, quand tu as le mode par exemple FTBU en fait. Quand tu cliques gauche, ça claim, quand tu shift clic gauche, ça chunk load en fait. C'est deux choses vraiment différentes quoi. Le claim, c'est plus là, voilà, si t'as peur d'avoir un creeper qui vient de péter dans ta base ou un truc comme ça. Ou si t'es sur un sort public et t'as pas envie qu'il y ait gens kékés qui viennent te voler telle ou telle machine, tu claim quoi. En gros. Oh, ça va être très dégueulasse, très archaïque comme truc, mais bon. Soufflez-vous dans le bon sens. Ouais! Il souffle presque chez le voisin, le con. Ah, attends, en vrai. Je veux pas les mettre dans l'autre sens, les petits trucs là. Dans les deux ondes, hein. Ah, c'est mieux comme ça. La merde! Putain! Pioche de merde. Eh, moquez-vous. Ok, vous bien. Bah, c'est pas faux de marier tous les jours en plus. Hein. Je fais jamais attention à ce truc. Bah, c'est bon, ça ressouffle. Tout. Hop. Hein. Après. Bon, en vrai, je pensais que ça gênait quand c'était en bas parce que visuellement c'est quand même mieux. Et ce qu'il a fait, bah, en fait, j'avais la pioche qui était chargée en clic droit et j'ai one shot la moitié de ma machine là. J'ai pété la moitié de mon setup là, en gros. J'ai botaniqué mon setup exactement. Bon, jusque là on est bien. Ça sert quasiment à rien tout ce que je viens de faire, mais on est bien. J'ai pas du gravier pour test. Enfin, ah, mais si, de la cobble, j'en ai des pour test. Du fichier. Donc, toi t'arrives, hein. Tu te fais bouffer, t'es posé là, dans 10 minutes t'es transformé. Alors, le problème c'est que j'ai pas les drawers installés en face. Donc, on va voir qu'à moitié le setup peut marcher, mais. Parce que tu vois, en vrai, là j'ai mis 32 items. Ah déjà ça va prendre 10 ans à se faire en fait. Donc si les items arrivent par 64, le bras il a largement le temps de tout mettre sur les dépôts et il y a pas de souci quoi. Parce que plus tu mets d'items en fait plus c'est long quoi. Si t'as un item par exemple ça va peut-être prendre une seconde, si t'en as 10 ça prend 10 secondes, si t'en as un stack ça va prendre 64 secondes tu vois. Si jamais c'est une seconde de base le temps que ça prend mais faut pas être pressé hein. Et d'ailleurs la vitesse des ventilos ne change rien quant à la vitesse en fait de traitement. Ça change juste la range. C'est-à-dire plus les ventilos vont vite, plus ils vont pousser loin quoi. Mais ça va pas faire en sorte que ça se transforme plus vite quoi. Ah, c'est quand même sacrément long là. Je pensais que ce serait plus rapide. Oh bah au moins je suis sûr qu'il y aura pas de bouchon quoi. Ça. Enfin, je veux dire derrière pour le weight ejector et puis le bras en arrivée là, ils auront largement le temps de tout virer quoi. Sauf si tu mets plusieurs ventilos si je me souviens bien. Ah genre t'en mets un dans ce sens là, un en face, un là et genre un là et t'es genre 4 ventilos qui s'ouvrent sur le même bloc hein. Oh y'a peut-être un monde où ça du coup oui en effet ça marche mais bon.
J'ai un peu la flemme de mettre mon ventilo en face en vrai. J'ai un peu la flemme hein. D'ailleurs ce qu'on va faire je pense c'est que pour éviter que ça me souffle de partout on va se faire une petite séparation ici. Bon on aura la même séparation en face. Sinon ouais je pense tout le sol de la salle limite je vais la faire en casing hein. J'aime bien le plancher comme ça. Ça joli. Putain c'est si long que ça par contre à souffler. Ouais c'est plus une seconde là, c'est une minute par item. Hein. Bon bah le temps que ça se fasse, hein, écoutez, on va réfléchir à la suite. Hein. Donc là il me faudrait du coup mes deux crushing wheels là-bas. Oh je vais m'amuser à les alimenter là. À acheminer le truc jusque là-bas. Faudrait que je pioche depuis la gearbox qui est en dessous là je pense. J'arrive là et puis comme ça après ici je split à gauche et à droite pour partir sur les deux crushing wheels qu'il y aura. Bon je vais surtout m'amuser à les crafter aussi. Parce que les crushing wheels c'est un peu chiant. J'ai mis du gravier au moins. Ça se mouille pas la flotte hein. Non ça mouille pas hein. Enfin, la cobble je veux dire. Au moins ouais la cobble elle est clean. Là, elle est bien lavée comme il faut. Pas de problème hein. J'ai déjà fait mes drawers. Bon attends, on va taper compacting parce que sinon je vais mettre 300 ans à la retrouver. On va faire un comme ça et on va faire... On va faire deux comme ça d'ailleurs. Et on va faire... Comme ça. Hein? Il était déjà mis en fait. Oui il était déjà mis. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse une drawer key. Tiens, vas-y, viens là, toi. Hop. M'en faut un pour la clé. Alors, c'est clairement pas le craft le plus économe en termes de ressources. Mais on va se. Parce que alors lui il faut que je mette avec des sticks pour le transformer en upgrade hein, c'est ça ouais. Je trouve que ça m'est pris des pommes. Alors ça c'est bon. Ensuite c'est ça avec ça et ça. Ou l'inverse. J'ai plus. Putain c'est l'inverse. Nice. Maintenant tu vas me mettre tes crafts à gauche chez les bookmarks hein. En fait tu vas dans les contrôles on... Tu tapes bookmark. Et là tu bindes la touche que tu veux tu vois. Moi j'ai mis ça sur un bouton de souris et comme ça à chaque fois que j'ai un craft que je me dont je me rappelais après par la suite. En gros j'ai quasiment tous mes crafts de create qui sont là dedans. Après c'est vrai que quand tu commences à en mettre trop. Bon c'est de la merde. Ah bah merde l'exosquelette j'avais pas fait par contre. Mais donc après de temps en temps faut penser un petit peu à clean ce dont t'as plus besoin quoi. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour le compacting? Il va falloir 2 lingots. Bah, 4 du coup. 6 même d'ailleurs. Ça m'en faut 4. Il va falloir un petit peu de cobble. J'en ai sur moi. J'ai du bois. Ouais, m'en manque un petit peu. Bon, on tout transforme en planche. Il va falloir 10 de stone. Hop. Parfait. Non, on a tout ce qu'il faut. Manque juste d'upgrade de Void. Bon, pour l'instant, il m'en faut 2 en vrai. Bon, vas-y, on va faire plus. Mais jure, c'est pas ça le craft. C'est ça? Oh ça va, c'est presque ça. je fais coffre en trop du coup. Tant pis. Bah vas-y on va en faire plus. Alors ça je fais ça c'est pour les upgrades hein, justement. En gros c'est les drawers qui coûtent le moins cher hein. Bon là c'est ce qui coûte le moins de bois pour faire les upgrades hein.
Mangez au moins les 5 voix, il sera déjà bien. Fait de la survie, je peux dire ça. Oh, c'est bon, je suis pas un truc qui casse tout. Alors ça là, ça, ça ici. En vrai j'aurais pu mettre des frames là, pour qu'ils aient la même texture. Bah mais attends, si tu fais des frame drawer, tu peux pas leur donner la texture d'un compacting drawer derrière. Si. Ah mais ça ferait chier de crafter 15 000 compacting drawer pour une texture. Bon vas-y tant pis, on va laisser des drawers comme ça, c'est pas grave. Bon ça tombe bien, de toute façon j'ai pas le flint ni les nuggets sur moi. Faut espérer que les 6 de gravier me donnent tout ce qu'il faut. Donc ça après je peux les attribuer dans les drawers que je veux. Ok donc là ça c'est fait. Boum. Là c'est envoyé, lui récupère. Il met dedans. Let's gong. Oh, peut-être pas dans celui-là par contre, faut pas déconner. Toi on a dit là. Et toi on a dit ici. Parfait. Je vais mettre un petit coup de quantify key. Et on va mettre un petit coup à tout lock, au moins ça ira pas ailleurs. Bon bah voilà. Bon ça déjà l'arrivée des items, c'est bon. Bah reste plus qu'à faire les crushing wheels que j'ai oublié de faire. Il faut crushing wheel, smart shoot. Bah quoi qu'en vrai smart... Ah non smart shoot c'est plus pour au-dessus. Quoi qu'en vrai on s'en fout d'avoir une smart shoot. Quoi une smart? Qu'il arrive avec de la cobalt de toute façon. Bon une chute normale ça devrait suffire. Après la smart chute peut-être parce qu'elle récupère plus d'items à la fois qu'une chute classique. Et que là je vais les envoyer stack par stack. On va faire une smart dans le doute. Pour ce que ça me coûte. Voilà. Alors crushing wheel. Pourquoi je me fais chier avec une crushing wheel? Ah j'allais dire je peux faire une millstone mais la crushing wheel est quand même plus rapide que la millstone je pense. Je pense que là-dessus il n'y a pas débat quoi. Quand ta touche pour bind le shift click gauche pour chunk load, le chunk ça fait rien quand je le fais. Normalement il n'y a rien à bind hein. Ou alors c'est juste que t'as peut-être pas le bon mode hein, mais mais normalement normalement t'es là dans ton inventaire, tu cliques en haut à gauche, t'as ton mode de FTB chunk, tu cliques dessus, ça t'ouvre la map en plein milieu. Et tu cliques gauche pour claim tes chunks et tu shift clic gauche pour que chunk load tes chunks qui sont claim. Je crois qu'il faut déjà claim avant de pouvoir chunk load. Hein. Et si jamais tu veux déclaim, c'est clic droit. Si jamais tu veux déchunk load, c'est shift clic droit. J'ai trouvé, juste fallait que je claim le chunk avant le chunk load. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Parce que ouais, la midstone en fait, le truc, c'est que je sais pas si ça va aussi vite que la crushing wheel. Hein. Parce que bon, c'est un peu moins chiant à faire quoi. Après, ça me ferait qu'il faudrait que j'ai une chute en plus pour récupérer les ressources dedans, mais. Mais bon. Bon, on va faire une crushing wheel. C'est plus joli quand même. C'est plus joli. Il faut combien de ça? C'est 16 hein, je crois. Hein. Ouais, c'est 16. 4 planches et. C'est de la stone? C'est de la cobble, de la stone. Ok. Et du coup, il va falloir tous les mechanical crafters. Hop. Alors, juste qu'on bouge ça. Nick.
Ah attends d'ailleurs oui, il y a une couille. Attends oui. Pour ça je suis obligé de faire ça ici. Sinon ça va tout me casser. Trust. Enfin. Voilà tout bon. Bon, ça a été un petit peu lent parce que du coup en fait j'ai dû réduire la vitesse, sinon il y avait trop de stress sur le réseau. Mais ça va, ça fait quand même relativement rapidement. Et là, petit coup de pioche. Boum. Et ça on peut remettre ça comme ça. Alors je peux remettre comme c'était avant pour les machines, pour que ça aille plus vite quand même. Bah voilà. Bah déjà les poser ça, j'ai la smart chute. Ouais. Ouais. Donc, ça serait posé à cette hauteur là. Ou est-ce que je peux pas le mettre encore plus bas? Je pense que je peux le mettre plus bas de 1. Non, non, non. Ah, d'accord, j'ai mis exactement à la même hauteur. Là, je sais pas si c'est pas trop bas. Non, là, ça devrait atterrir sur le tapis une fois que ça tombe. De toute façon on va être fixé. Ah bah non on peut pas être fixé parce que ça tombe pas. Génère comment le mana? Ouais, Endo Flame hein. Tout simplement. Après j'y pense ici, là je fais une petite gearbox derrière, on me remonte. En fait je peux me coller là-dessus pour faire tourner tout seul. Hein. Bête. Oui oui oui. On sent un peu les trois là-dedans quand même. Ah attends, ça pue là. Faudrait que je foute une vertique. Je sais pas, non, je sais pas. Oui. On va se faire chier. C'est dans le mur de toute façon. Ah! Pas dans mon sens. Pas dans mon sens. Touidou. Caché ou? Bon, pour l'instant, on met de la cobble, on mettra un truc plus joli après. Hein. On voulait pas. Et du coup je vais pouvoir tester, est-ce que si je balance genre 9 de cobble, est-ce que ça se fait quick et est-ce que ça tombe sur le tapis? Ou est-ce qu'il va falloir que je monte tout ça de un bloc de plus? Ah c'est parfait. Et là du coup squish et après ça finit là-dedans. Voilà. On a même pas une nugget là-dessus, nul. Et donc, shoot. Et en vrai, alors là, la question que je me pose. Dans le tapis, il faut qu'il soit un bloc plus haut. Le tapis, il faut qu'il soit là. Hein. Attends, parce que si genre j'ai le tapis qui est là, il va venir longer le mur là. Non, faut qu'il soit un bloc plus bas le tapis, hein. Pour se vider dans la chute, hein. Là, ça pue, hein. Est-ce que là, il arriverait à se vider tout seul, hein? Je pense, hein. Ouais, ça pourrait marcher. Parce que je l'avais fait de toute façon pour le déployeur, donc y a pas de raison. Pourquoi à chaque fois je m'entête à casser alors j'ai juste à faire un petit coup de wrench. Bon. Je suis
suis juste nul. La salle me paraît un tout petit peu trop étroite quand même pour foutre une prod de cobble. Hein. Après, la prod de cobble, rien n'empêche d'en mettre dans le coin ici. Hein, parce que le coin en fait va être très très vide ici. Donc dans chaque coin, je peux mettre ma prod de cobble. Hein. T'as vu, je peux me faire un giga tapis, mais bon. Pas de problème à ça en soi. Hein. Ah, par contre, si je fais ça, je peux pas le relier à ici. Hein. Bon, connard. Non, je vais mettre mes roues à l'horizontale. Je peux aussi mettre les roues à l'horizontale et puis faire passer tout ça sur un tapis en dessous, hein, mais ça prend plus de place en longueur, quoi, du coup. Là, je peux plus utiliser la verticalité de la salle, en fait, tu vois. Bah, en vrai, il reste plus qu'à avoir la prod de cobble là-dessus, puis sur le tapis, puis on est bon, quoi. C'est un tapis qui faut rien sur 10 blocs, hein, après les roues. Là, là. Ouais, ça sert de mini tanker pour le bras en fait, tu vois. En fait, ça fait un mini dépôt pour que le bras, en fait, au pire, ça stocke sur quelques blocs, tu vois, le temps qu'il dépose tout, quoi. Une sorte de petit buffer, tu vois. Ouais, t'es pas obligé de tout avoir non plus ultra serré de partout. Hein. De manière ultra optique, quoi. Du coup ici je pense que le tapis je vais l'alimenter grâce aux roues qui sont juste derrière. Ici je vais l'alimenter derrière comme ça. Là ici on va l'alimenter derrière. Et ce sera déjà pas mal. La prod de colle, par contre, j'ai aucune idée de comment on va la faire. J'ai aucune idée de la taille et de comment on va faire surtout. Par contre, je pense que du coup, forcément, sur le chemin, il va y avoir un drawer, genre ici, avec un funnel en sortie, un funnel en entrée, et qui va me faire en fait mon stockage. Ouais, faut que je ramène un drawer. Je demande à quoi ça ressemble un frame drawer que tu fous en dans des casing. Ça doit être immonde. Je pense que ça va être bien d'ailleurs. Presque à tester. Alors attends. Non. Oh, c'est quoi ça? Secours. Ouais, je peux faire un mix de différentes casings, tu vois, genre avoir la texture de ça. Non, bah juste on va faire full truc quoi. À quoi ça ressemble quand même. Ouais, oh, c'est mignon en vrai, ça fait mini coffre-fort. Hein. Franchement, attends, en vrai, je mets ça comme les 3 drawers au-dessus des compacting drawers, hein, ça aura plus de charme que les drawers dégueulasses en bois. Hein. Honnêtement, je trouve ça classe en vrai. Je trouve ça classe. Hein. Bon, j'ai fait 3 drawers pour rien, mais c'est pas grave. Par contre, est-ce que ça a pas la même texture si je fais juste ça et que du coup ça me coûte moins cher? Je pense. Hein. Oui, c'est exactement le même truc. Ouais, d'accord. On faut juste pas que je confonde en me disant ça y est, c'est un drawer. Enfin, c'est faut pas que je me dise que c'est une casing quoi. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que lui on va le délock. On va récupérer ce qu'on a dedans. Les deux à côté, on va les casser. On va mettre ça à la place.
Ah, je trouve ça vraiment classe en soi. Attends, par contre, j'ai pas récupéré le béret dedans. Dans les deux autres d'ailleurs. Ah, j'ai pas fait de void upgrade non plus d'ailleurs pour le truc qui est là-bas quoi. Bon, de toute façon, faut que j'aille chercher les deux funales hein, que j'ai pas non plus. Ah, c'est vraiment stylé en vrai, je trouve, comme ça les drawers. Trop bien. Oh, trop cool. Limite, on fout partout en vrai. Pour une donnette, va aux coordonnées que je te donne, il y a une firme à diams. Oui, évidemment. Évidemment, évidemment. Sachant qu'il n'y a pas moyen d'automatiser en plus le diamant sur le serveur. Ah, après, il n'y a pas. En vrai, attends, s'il y a moyen d'automatiser le diamant. Vraie question. Non. Je m'étais dit qu'avec Botania, tu peux le dupliquer, mais ça aurait été trop cheaté en vrai. Bon bah ça on va déposer ça là-dedans. Ah il m'en faut les électrons tubes. Ah c'est le dernier hein. Après finito. Finito pipo, il va falloir que j'en fasse hein. D'ailleurs tu... non, le petit Théo tu me fais penser des baisses. J'avais le stream de Magarki l'autre jour. Et en fait il a un bot. Ou en gros quand les gens par exemple ils prennent des points de chaîne et tout pour timeout quelqu'un, en fait c'est automatique. Et genre ça met un petit message en mode t'as été choisi pour être timeout, tu peux mettre un dernier message avant si tu le souhaites, avant de te faire TO, machin. Je trouve ça trop bien foutu. Alors je sais pas si c'est un truc qui est automatique ou si c'est lui qui a fait son propre bot hein, mais je trouve ça marrant. Quelques plates avec ça là. J'ai une notif de Bazon, annonce live hein. Jure il arrive hein. Jure le bourri il est là. Mario, bon, t'étais pas obligé de claquer tes points de chaîne, t'inquiète, on l'aurait fait sans ça. Y'a pas de soucis. Aïe aïe aïe. Bon, on faut du kelp. Hein. Et moi, c'est pas automatisé malheureusement. C'est comme les pubs, tout ça. Pas le truc pour. Et qui quoi là? Ah, mais c'est une brass shit qu'il faut? En même temps, je reconnais pas les skins entre les deux. Ah, c'est peut-être pas une brachette, c'est peut-être moi le problème du coup. Ah putain, mais c'est même pas une shit en fait, c'est directement un brassingot. Hein. Étant donné qu'ils sont encore là, et bon, ouais, je pense que. T'as vu, j'étais pas très. Réceptible. Non. Compatible, on va plutôt dire, c'est mieux. Ah, sa connerie. Donc là-dedans, ça va stocker de la cobble en mars. Genre comme là. On va log dans le doute où il y a d'autres trucs qui tombent. Ouais, réceptif, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que le vieux est vocal là? Ouais, il est en vocal nulle part, je crois. Hein. Il devrait pas tarder à arriver sur le pack. Hein. Il va pas tarder à nous faire crash. Bon, déjà, on va faire tourner les tapitos. Hein. De toute façon, en fait, tout le reste, même s'il y a de la cobble qui tombe, ça devrait aller et au pire, ça pourra pas rentrer ici. Donc, comment qu'on fait derrière? Il faut que j'actionne, là. Bah on fait que voilà quoi. Ah mais là c'est dans le bon sens. Là c'est plus dans le bon sens. Ah si c'est dans le bon sens, j'aurais dit. Enfin. Donc là c'est dans le bon sens. Pourquoi je creuse autant mais... Là, on est comme ça. Là c'est dans le bon sens. Ah là faut les chaînes drive, on est d'accord hein. Là ça pue sinon. Après c'est con, c'est moche en fait la belt qui va dans le mur là. Ça, ça m'emmerde un petit peu cette histoire là. Bon après ça se voit vraiment quoi. Parce que je peux pas la cacher en fait. Après on peut faire ça différemment.
Ami du non-crash, bonjour. C'est ça un truc, qui est clairement pas économe. Au nom de la cobble qui part, hein. Au secours. Hein. Alors, c'est vrai que c'est la cobble et pas dans des itouts qui est ici parce que. On était dans la merde. Hein. En fait, je mets ça alors que je pourrais juste foutre des cogwheels. Hein. Ah, et non, c'était sûr. Ah, mais attends, mais si, je pourrais résoudre le problème. Regardez-moi ça. Let's go. Bon, par contre, on va quand même y aller mollo sur les ressources. Je les connais. Voilà. Ça, on s'en fout de cacher, de toute façon, c'est dans le mur. Noise. Ah, quoi qu'il y a un petit shaft qui dépasse derrière là. Bon. Hop. Voilà, on va régler. Parfait. Ça coûte un peu plus cher parce que là en fait du coup ça me coûte une gearbox en plus et deux cogwheels. Mais au moins j'ai pas le mur derrière qui m'emmerde quoi. Donc bon, pas plus mal. C'est pas plus mal. Ah mais après du coup ici je peux faire la même. Je peux arnaquer le système hein. Bon, oui. Parce que j'ai la flemme d'aller crafter des chain drive. Du coup touc. Tic tac. Touc. Nice. Ni vu ni connu, on n'en parle plus. Voilà. Bon, déjà les tapis ils tournent. C'est une bonne chose. On a reproduit de l'iron ou pas hein? Oh, attends, ça arrive. Ça arrive. 56 de gravier. Comment ça 56? J'ai pété autant de cobble? J'ai jamais pété autant de cobble. Pourquoi 56? Tu veux sur savoir? Ouais. Ah, c'est Nathan. Comment as-tu? Ah bah donc il fait sa pub sur Discord évidemment. Ah oui j'en ai mis dans le buffer ici. Bien vu. Et du coup noise. On a eu 5 nuggets. Trop bien. Trop bien. Par contre ici j'avais dit tu sors que par 64 du coup. Ouais. J'ai envie que ce soit que des stacks qui arrivent. Quoique est-ce que ça change grand chose à vitesse à laquelle ça va de toute façon. Ouais c'est plus. Ah, par contre j'ai pas mis void hein, ouais, faut que je mette le void. Hein. C'est plus pour éviter que ça bombarde en permanence deux par deux. Hein. Au moins là ça attend d'avoir un stack entier et boum quoi. On parle plus. Début de la richesse c'est clair. Hein. C'est clair. Bah ouais, pour l'instant tout qui tourne. Déjà ça arrive à cheminer la puissance depuis mon setup de vapeur là. Bon déjà c'est pas mal hein. Par contre je pense que le soir si je suis connecté ça tourne pas tu vois. Avec la render distance. En vrai j'ai même pas besoin d'upgrade mon compacting drawer parce que en fait là il peut déjà stocker 256 stacks de normalement je crois. Non 128 stacks de blocs d'iron. Hein. Donc en gros à peu près 1000 stacks un peu plus de lingots. Ce qui fait quelques ressources. Moi je mettrais quand même une upgrade en émeraude, hein. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai le temps avant que je sois full quoi. Bon du coup il va me falloir quoi? On l'a fait de quelle taille en bref? On se met combien de drills hein? Sur le tapis 7, 8, 9. Ah 5 ça me paraît cheap hein. Beaucoup? Non, ça rien d'en avoir trop de toute façon. 8 l'avantage c'est que c'est un multiple de 64 hein. C'est à dire qu'à chaque fois toutes les 8 opérations on a un stack qui part quoi. Bon c'est pas symétrique hein. Certes, mais. En vrai, attends, on va aller dans la salle pour se rendre compte de combien on peut en mettre en distance. Jusqu'à combien on peut aller en fait.
idéalement tu les mets sur le tapis quoi. C'est-à-dire que là, on va dire qu'à partir de là, tu commences à mettre tes premières drills, tu en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fait, faut pas oublier, de toute façon, ça rien déjà un truc non plus trop important. Hein. Le but, c'est que ça produise quand je suis à côté, et puis voilà, tu vois. Pas non plus que ça pète le serveur, comme d'autres peuvent déjà le faire. La question, c'est est-ce que du coup, les drills, je les entache dans le mur. Enfin, si je fais ça, c'est que. Non, les drills, il vaut mieux qu'elles soient là, je pense. Et que d'autre côté du coup on est la flotte hein. Après par contre on verra la lave apparemment au-dessus. Mais je peux toujours la cacher avec les vitres comme ça bien. Ouais 9 ça me paraît bien. Ouais c'est déjà big en vrai. L'avantage de 8 c'est que ça m'aurait suffi. Ah non, mais non, je veux dire, il m'aurait suffi d'avoir 2 sauts de lave. En vrai, là, il me suffit toujours d'avoir que 2 sauts de lave en soi. Pas besoin de plus. Tu me diras, je peux même peut-être avec 1 saut de lave. Ouais, mais je crois que la lave elle va moins vite que. Moins loin que l'eau. Je sais plus. Tu peux locker l'eau sur les drills pour gagner de la place. Tu peux waterlog les drills. Ouais. Ouais. Oh, c'est un coup, est-ce que ça couille ça quand même. Non mais voir les drills de devant c'est pas mal. Ça cachera un petit peu. Non il faut juste que je règle un problème les amis. Voilà. Mais non, on va faire classique. On va pas waterlog quoi que ce soit. De toute façon, la flotte sera cachée derrière, donc on va éviter les problèmes. Hein. En fait, il y en a qui ont waterlog des trucs aussi. Et en fait, parfois la cobble se glitch dans le bloc qui waterlog. Hein. Là aussi, du coup, t'avais pas le bloc. En fait, juste la flotte au pire pousse la cobble, tu vois. Alors, il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir de caging, donc sur moi. Il va nous falloir 27 en dit de l'œil. Hein. Plus. 9 lingots d'iron. En vrai, pour l'instant, stock d'iron, he's ok. He's ok, hein. Mais d'accord, c'est bien ça qu'il faut, hein. Ouais. Ça ressemble à quoi, du coup, de dos? Ah, de dos, ça va en vrai. Hein. On verra juste un gros bloc, quoi. Putain, mais il est toujours plus loin! Au secours! Par contre, j'ai des problèmes d'FPS ici, c'est terrible hein, dans la base. Hein. En fait, je sais pas, j'ai. Ouais, j'ai des. Bah, ça me paraît pas fluide le jeu en fait, c'est bizarre. Non. Ah, ouais, attends, est-ce que là c'était pas trop haut? Parce que là, y'a pas un risque où la cobble tombe en dehors du tapis. Après ouais non en même temps non de toute façon en vrai tu peux pas mettre plus bas en soi. Ou sinon faudrait genre j'ai une chute peut-être en dessous de chaque truc.
Bon, allez, FPS, c'est pire Jim, je crois que ça va. Hein. En fait, c'est certains trucs, je sais pas, qui font plus laguer que d'autres, hein, tu vois, mais. Je sais que chez Bazon, par exemple, tu as les FPS, ça descend. Mais Bazon, ça me faisait rire parce que Bazon, il a 30 FPS chez lui, il est en mode ah non, mais il n'y a pas de soucis, c'est giga fluide. Hein. Non, 30 FPS, c'est pas giga fluide. Aïe aïe aïe. Shoot. Hop, parfait. Donc il y avait 40 FPS hier, ouais. Mais en fait, ça, le problème, ça provient de leur mode d'optimisation côté client. Ça optimise pas, ça désoptimise. C'est-à-dire que tu les vires, tu doubles tes FPS en fait. En fait, il faudrait juste que je les vire en fait. À chaque fois, je me tiens. En fait, la dernière fois, j'avais testé de juste les virer et mettre Optifine. Mais il faudrait juste que je les vire tout court en fait. On s'en fout d'Optifine. Bon, on est d'accord que là je mets la flotte, hein. Là où je creuse. Hein. Je mets la flotte, on en parle plus. Hein. On va tout relier en un bloc quand même, c'est un peu joli. Comme à chaque fois, j'ai pas d'eau. Aïe! Histoire de changer. Il y a une source d'infini quelque part. Hein. Ah mais attends, mais ici, il y a de la flotte ici. Coucou. Parfait. Bon, ouais, il y avait de la flotte là, mais bon. Je vais la flotte me la prendre quoi. Ça, c'est bon. En fait, attends, est-ce que je mets genre... Le truc, c'est que mettre des vides, ça va être moche. Je me dis limite, t'en briques juste tout dans des casings comme ça, quoi. La lave. Ah, plus joli en vrai. Ouais, on va faire ça. Espérant que ça crame pas. Ça, on verra plus tard. On le saura bien assez vite. Par contre, elles se connectent pas entre elles. Hein. C'est-à-dire que je suis obligé de toutes les relier derrière et de toutes les faire tourner. Après, comment je m'y prends? Est-ce que je fous genre 15 cogwheels comme un connard hein, que j'alimente en un point? De toute façon, je pense que peu importe le sens, ça creuse. Hein. Ouais, d'accord. Donc soit je fais genre ça. Mais des burgs sur l'eau, ouais. Bon. Ouais, je peux mettre ça sur l'eau. Alors là le seul problème c'est vu que j'ai mis les casings. Oh bonjour. Ça va être chiant pour alimenter ça sans que ce soit moche là. Bon dit. Referme. En vrai vas-y on va faire ça comme ça. Ah oui, mais je voulais pas que ça marche maintenant. Comment dire? Je voulais pas. Quoi qu'après, la lave, je la pose juste là en fait. Oui, donc c'est pas grave si ça marche déjà en soi, tant mieux. Je pourrais presque en vrai faire un truc symétrique de l'autre côté, genre comme ça. Histoire que là, tu te dises, tu rentres et t'es dans la. Merde. Pourquoi elle est tombée elle là? Un tapis le de rouage. Croyez de la somme plutôt que la cobble, c'est pas bête, ça j'y avais pas pensé. Qui? Les drills sont trop reculés? Comme ça les drills sont trop reculés. Oh ils sont bien les drills. Bah les drills sont nickel là. En fait ce que j'ai juste peur... C'est de la cobble, est-ce qu'elle peut pas tomber dans le trou en fait là sur le côté tu vois, genre là dedans. Mais normalement non parce qu'en fait la hitbox du bloc elle est entière quand même. Ça devrait se faire aspirer par les chutes instantes en fait.
Non, non, c'est bon. Après, est-ce que je devrais pas mettre plutôt... Peut-être des smart chutes dans le dos pour être sûr que ça aspire bien comme il faut le nombre d'étames qu'il faut. Ouais, je pense pas. Hein. Mais non, je sais qu'ici j'aurais pu mettre un tapis par exemple pour monter. Le problème du tapis, c'est que c'est un peu moche quand même. J'ai envie de foutre un tapis là comme ça. Faut juste mettre un bloc dessous car sinon ça tombe. Jim a eu le premier problème. Donc en gros, là tout est en dessous, faut que je bloque pour éviter que ça tombe, c'est ça? Par contre, moi j'ai mis directement mes cobbles sur le tapis sans chute. Hein. Ouais, mais je préfère qu'il y ait un truc qui aspire en fait. Parce que si ça tombe à côté ou quoi, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes et tout, donc je préfère vraiment la jouer sécure là-dessus. Hein. Je vais juste aller rechercher un peu dans des edit casing là pour pouvoir reboucher tout comme il faut proprement. Ouais, tu me diras la vitesse à laquelle ça va. Normalement, on va pas y avoir de soucis, hein, mais bon, on sait jamais quoi. Ah, ça dépend peut-être des tapis aussi, je sais pas. Ouais, après t'as les commotions générateurs, donc en fait c'est plus long à casser que la stone, ouais. Chichour. Moi, ce qui est bien, c'est que j'utilise un peu le zinc, parce que le zinc, on l'utilise jamais. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois, bon, les Andelitoloy, je préfère les faire avec du zinc parce que. Pas beaucoup d'iron nugget pour l'instant. Bon, là, ça va aller mieux vu qu'on va avoir une ferme iron, mais. Mais bon. Ce qu'il y a à savoir, c'est mode cube, simplement. Et non. Par contre, alors, ça faisait un mois, même plus, peut-être deux mois que j'avais plus le souci sur LoL en lançant des games d'avoir le problème de mon PC qui reboot sans aucune raison. Et hier, là, en jouant avec mon frère, ça me l'a refait. C'est bizarre. J'arrive sur internet, il y en a quelques-uns qui ont ce souci là, il y a personne à chaque fois qui arrive à trouver la solution. Quoi. Là, j'ai fait une magouille pour que désactiver le reboot auto du PC si jamais il y a une couille. En gros, qu'ils se mettent pas en fait en shutdown sans aucune raison quoi. Donc à voir, en pire à la place ça fera juste un blue screen ou un truc comme ça, ou j'en sais rien, ou en tout cas un message d'erreur, mais ça réglera le problème. Et ce qui est chelou, c'est que pendant deux mois j'ai pas eu de soucis, et là hier, pouf, ça me l'a refait quoi. Bon, ouais, vas-y, on prend un stack. Hein. T'as un problème sur Super Minecraft hein. Non mais y'en a... C'est pas mon PC, hein. Il y a d'autres personnes à qui ça le fait aussi. Et t'as différents forums où les gens en parlent de ça. C'est vraiment pile quand ça veut load la game en fait. Hein. Ça te shut down le PC en fait et il se relance tout seul. C'est pile la transition en fait. Et après, quand tu reviens, quand tu redémarres le PC, ça t'a reset tes paramètres de LoL en fait. Les paramètres clients et tout, le son, tout ça, tout a été reset en fait. Puis tu peux pas te dire que c'est un problème d'alimentation par exemple, parce que LoL c'est clairement pas ce qui va consommer énormément pour ta carte graphique. Je veux te dire, à côté, joue n'importe quel jeu ou autre sans aucun souci, on le fait en tournant en ultra qui est mille fois plus gourmand que du LoL, tu vois. Et que même si j'ai rien de lancé sur le PC, juste LoL ça peut le faire. Donc bon, je sais pas. C'est baron quand ça va. Hein. Après, j'ai vu par exemple hier Flora, la copine de Zera, elle a ce souci là sur Sea of Thieves. Sea of Thieves, quand elle lance son jeu, alors elle a pas un instant, mais quand elle lance son jeu, d'un seul coup son PC est atteint. Tu vois. Donc Ouais, bah attends, il est mort, je peux chain kill, c'est bon, j'ai vu. Ah, mais il est en vocal le con. Bah alors, on meurt comme une merde. Chut. Ah, Guinea, vous voulez pas mourir, dans le compteur il y a un. Hein. Eh, hey, je suis tombé de deux blocs alors ça va. Hein. Oui, bah en plus, hein, c'est encore plus ridicule. Hein. Bah oui, je comprends pas, il y a eu un bug. Eh bien, déjà, comment t'as pu mourir en tombant de deux blocs? T'avais combien de PV avant?
Bah j'avais 4 cœurs quand même, faut pas abuser. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous à 4 cœurs quand t'as 2 barres de vie? Oui, bah j'ai oublié, j'avais pas regardé. Oh la chèvre. Hein. J'ai peut-être cassé le serveur là par contre, c'est vrai. Le PC s'éteint à un moment random quand tu joues, c'est ça? Non, absolument pas. C'est en fait, je joue à LOL par exemple. Pourquoi ça marche pas ça? Je suis dans ma chambre select. Hein. Et pile au moment de passer du launcher au jeu, donc de lancer le jeu et les chargements et toute la game, ça s'éteint. Genre, tu vois même pas en fait le chargement du jeu, tu vois même pas le jeu en fait, ça s'éteint pile à la transition en fait. Ah, mais j'aurais peut-être dû mettre. Ah, j'aurais dû mettre. Oui. Bon. Il dit? Ouais, non, je suis en train de me faire chier à faire un truc, mais je suis en train de faire des bêtises en fait. Oh, bah, comme d'hab, quoi. J'aurais peut-être dû mettre des funnels à la place des tunnels. Enfin, des. Bon, ouais, je me comprends. Bah, non, j'ai juste à faire ça, je suis con. En fait. Oui. Ah, oui, tiens, d'ailleurs, on va mettre à la place des blocs là que j'ai mis, on va mettre des vitres. Hein. En effet. Je suis bien prêt avec mon PC, j'en sais Minecraft. Dès que j'avais les shaders, mon PC rebootait. C'était l'étage d'alimentation 12 volts qui avait cramé, j'ai changé mon alim et ça arrive sur le souci. Ouais, mais là il y a des gens qui ont ces soucis là et qui changent d'alim, ça change rien, tu vois. Donc bon. C'est juste qu'il crache ou le PC qui s'éteint? C'est le PC qui s'éteint et qui reboot tout seul instant. Mais ce qui est chelou, c'est que pourquoi il me l'a fait ça pendant 2 mois, après il m'a plus fait pendant 2 mois et là il me l'a refait d'un coup, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi je suis revenu ici, moi? Ah, il faut que je tue du verre. Hein. Oh, tu fais quoi de beau du coup? À part mourir. Là, je termine vite fait ma. Le rassemblement de mes ressources là à la cabane en bois. Et après, je vais automatiser la clé. Putain, j'ai envie de mourir à chaque fois, je me trompe. Ah, j'ai peur de pas mettre la lap au bon endroit. Il devrait pas y avoir de mauvais endroit. Pire, ça devrait générer de la cobble quoi. J'essaie de récupérer un drawer, mais je le balance toujours au mauvais endroit. Ah, y'a par contre, vous avez vu là, y'a de la cobble qui est pas aspirée. Ah, je sais pas, j'ai récupéré de la cobble, on est d'accord? Ah non, peut-être parce que juste t'as pas été aspiré instant. Mais normalement, on devrait être aspiré partout. Il va y avoir des soucis, je pense. J'ai peur que les chutes n'arrivent pas à se vider assez vite, mais je pense que pire, elles absorbent directement plusieurs items d'un coup et se vident plusieurs items d'un coup en fait. Là, je chope des items à gauche à droite, mais c'est quoi? C'est directement quand c'est cassé que ça pop, je pense. Hein. Ouais, tu vois, non, je viens de choper 21 items d'un coup là. Hein. Vous voyez, les items là ils sont bloqués, ils sont pas aspirés. Donc, est-ce que le mieux c'est pas les faire tomber directement sans chute sur les trucs? Attendez. Te casse toi. Le truc c'est que sans chute ils vont tomber à côté en fait. En fait c'est chiant parce que ce truc là c'est pas un bloc plein quoi. Ça casse pas assez vite la cobble, elle repop avant d'aspirer avec la chute hein. Arrête, peut-être que des hoppers ça règle le problème hein. Ouais non, ce serait de la merde comme idée. Si, en fait si je mets des blocs là hein, quoi qu'il arrive, ça va foutre la merde hein. Que je voulais faire. Oh, si je mettais bloc là, on va mettre du vert temporairement, je peux voir. Mais...
Ah mais non, mais là en fait ça fout de l'eau partout à chaque fois. J'ai oublié de mettre un truc en dessous en fait. Hein. Mettre les drills en dessous de la cobble et mettre les trucs sous la drill. Hein. Ouais, finalement. Rodan! Ah mais je pense qu'avec des hoppers ça règle le problème. Hein. Je pense que les hoppers absorbent plus facilement autour que les chutes en elles-mêmes. Hein. Ouais, pour l'eau, pour éviter que ça coule, faudrait que je waterlock des escaliers, mais. Enfin, quoi que non, ça change rien. Si. Attends. Ça pourrait être d'avoir des fuites. Hein. Parce que du coup, attends, Waterlango et les escaliers. Ça va quand même se transformer ici. Après, mais du coup, ce serait la lave qui tombe au final et qui se transforme. Et en fait, ce serait pas l'eau qui coule, mais ce serait la lave. Hein. Bon, il faut des escaliers dégueulasses, du coup. Le radin. Oh putain. Hop. Un casse-parle dessus. Bah non, parce que du coup t'as la lave, donc problématique. Non mais comme ça y'avait pas de soucis, hein. C'est juste qu'en fait soit tu passes par des hoppers, soit du coup faudrait que je waterlog les trucs, déjà ça éviterait les problèmes de flotte. Hein. Par contre du coup putain faudrait que je me mette dans l'autre sens pour pouvoir poser les trucs. Hein. On va tout casser.
cassé. Ouais, full reset et tout. Enfin, c'est pas possible. En fait, elle synchronise jamais. Après, du coup, en vrai. Est-ce que j'ai besoin de forcément attendre qu'il s'envoie par stack? J'envoyais par 32. Hop, sympa. Ou par 16, je pourrais même envoyer en vrai. Toi, ça bosse un peu plus souvent, quoi. T'as speed un peu plus partout, quoi, on va dire. Bon, bah écoute, ça a l'air de marcher. Même pas besoin de chute ou de hopper ou de quoi que ce soit. Excellent. Juste, ça tombe sur les tapis, quoi, en bas. Ouais. Ouais. Bah, parfait. Non, là, je vais essayer d'automatiser l'agrès. Oui. L'agrès ? Ah, il faut, hein. Ouais, l'agrès, ouais. Pas l'agrès. Parce qu'il me faut. Tu veux toi l'agré? Parce qu'il me faut énormément de briques. Ah, la clé. La clé. Eh bah tu dis l'agré depuis tout à l'heure. Bah je dis de la merde. Évidemment. Est-ce que ça t'étonne? Voilà. Non. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, hein? Bah après en fait tu fais une ferme à gold et t'as de la clé, quoi. Oui mais c'est ça. C'est le prévu, c'est l'objectif. Hop. Allez, je me casse de là. C'est bon, le cacao, check. Bruce. Bah écoute, moi ça pourrait être de l'iron. Voilà, j'ai déjà vu Dingo. Bon, j'ai juste 9 drills, tu vois. C'est pas non plus un gros setup. Je suis pas là à vouloir casser le serveur comme les autres, tu vois. Pas besoin que ça soit non plus overkill, de toute façon. Ouais, c'est bien, hein, en vrai. Ah, par contre, si on va par 16, c'est en stand-by là-haut. Nickel. Ouais, 32, c'est bien. Sur moi. Ah, je pensais que le setup était plus complexe. Non, non, c'est tout bidon. En fait, franchement, le setup Iron, c'est juste. Tu transcendes la cobalt en gravier, le gravier tu le fais mouiller, et puis voilà. Après, tu peux le faire de manière beaucoup plus compacte en fait, tu vois. Mais je trouve ça sympa comme ça. J'ai l'impression. Au pire, que le Shin Wheel, non. Après, en vrai, c'est surtout que je peux les faire tourner plus vite par contre. C'est vrai que là j'ai pas mis de rotation speed controller ou quoi, en fait je pourrais en mettre une pour les crushing wheel par exemple. Parce que là elle tourne un peu au ralenti quoi. Peut-être ça que je vais accélérer. Ouais le gravier il l'a VO. Sinon juste je les double hein. En vrai attends je vais chercher, bah juste me faire une grosse roue et juste on va doubler, je vais pas me faire chier. Mais là normalement ça devrait gérer. Ah, c'est juste qu'en fait du coup derrière ça utilise qu'un spot quoi. Je vais quand même faire ça, enfin faire tout aller plus vite. Aller tout plus vite. Alors attends. Oui, ça passe pas en haut à gauche. Ouais, ça passe pas. Il veut pas se mettre là. Bon, on va aller l'assister. Vas-y, on a trop bouché quand même pour éviter que ça spawn. Hein. Toudidoudidoudidou. Voilà. C'est un peu plus vite. Ça a combien de stress ça hein? 1024 chacune, ils ok. De toute façon pour 147 000, on n'est pas à 2000 près. Personne parle de faire des formes communes pour réduire un peu tous les essais lag. Bah ça sert à rien parce que c'est pas de chunkloader. En fait si encore on avait le chunkloader, on pourrait juste se dire bah écoute au spawn t'as telle ferme et puis les gens vont se servir ou j'en sais rien. Et puis t'as des trucs qui te les amènent ou tu vois, enfin ou on pourrait avoir par exemple des under chests aussi. Si on a des under chests pour s'envoyer des ressources ça serait plus sympa aussi. Mais en fait on n'a pas tout ça. Donc t'as plus intérêt en fait à faire tes farms chez toi de toute façon et devoir rester FK à côté. Mais là ça devrait gérer plus vite là. Ah putain, et par contre ça drill plus vite ici aussi.
puisque c'est relié dessus. J'ai absolument pas réglé le problème en fait. Ah terrible. J'ai produit. En fait j'ai juste doublé ma prod de cobble. Et par conséquent ça change rien. Bah oui, parce qu'en fait c'est relié sur les crushing wheels hein. Couillon hein. Après si le tapis est plein, hein. Franchement on s'en fout hein. Et le surplus est voidé hein. On s'en bat les couilles hein, ça change rien hein. Ce qui me fait plus peur c'est ici voilà que ça overflow pas quoi. Honnêtement ça a l'air d'aller hein. Parce qu'au pire on est d'accord qu'il peut y avoir plusieurs items hein, sur le même spot de tapis quoi. Donc au pire de temps en temps il doit y en avoir deux qui arrivent à l'air en même temps quoi. Ouais ça la cobble elle arrive par deux. En fait ça peut jamais overflow ça du coup. Et on est d'accord il y a toujours zéro entité quoi. A chaque fois il y a 9 qui pop quand tout est drill hein, mais sinon il y a zéro entité. Et le bras ici il suit de toute façon parce qu'en vrai à chaque fois quoi qu'il arrive les items arrivent par stack donc ça va quoi. Ça passe nickel hein. Ouais là c'est vrai que là par contre c'est des stacks entiers de gravier c'est un peu plus long. Pour les wheels par stack c'est good ouais. Et même ici ça va tu vois là il y a un stack à des pop Là il y a plein de stacks qui sont arrivés d'un coup donc ils vont tous partir d'un coup aussi tu vois. Hop, le stack à des pop. Hein. Non, franchement, ouais, je pense qu'on est vraiment bien. Hein. Pas trop cool. Bien content. Et le temps de papoter, on est passé de 8 lingots à 25. Hein. Alors peut-être encore plus. Hein. Bam, 26. Hein. Attention. Combien? 27. Let's go. Ah, ça enchaîne. Hein. Non, bah, c'est superbe. Hein. Après, est-ce que lui il aura pas du mal quand il y aura le dépôt là et le dépôt là à gérer? On verra. Au pire, ce qu'on fera, c'est que je mettrai un bras ici et un bras ici. Il y aura le bras pour gauche et le bras pour droite. On fera juste ça au pire. Pour l'instant, tout seul ça va. Mais c'est vrai que s'il y a ça à gérer plus ça, quand il y aura le gold, sachant que le gold. Ça va en chier de la ressource. Hein. Parce qu'il va falloir aussi que je gère le surplus de clés et tout le bordel. Hein. Après je peux accélérer le bras, hein, c'est pas un souci. Hein. Après bon, si j'accélère le bras, ça accélère tout le reste. Hein. Ah non, parce que le bras est indépendant. Non mais flemme. Bon, je mets un rotation. De toute façon, on va faire que tout tourne plus vite ici, globalement. Faudrait que tout soit à 128 plutôt que juste la fin, en fait. Et qu'en gros, je mets juste un rotation speed controller avant d'arriver dans la salle, quoi. Après, un bras qui va trop vite, ça fait dut, c'est un peu moche, quoi. Mais à 128, je pense que c'est pas encore trop rapide. Enfin, quoi que là, ça commence à être rapide déjà donc. Non, mais honnêtement, je préfère avoir plusieurs bras. Par contre, je me dis, est-ce que j'aurai la place de faire tout le setup à or ici? Normalement, ça devrait aller. Ça prendrait juste beaucoup de place. En fait, c'est juste qu'ici, du coup, il y aura deux crushing wheels à place d'une. Parce qu'il faudra faire sable puis. Enfin gravier puis sable. Hein. Après le sable, le truc c'est que quand je vais crush le gravier en sable, hein, ça va me générer de la clé et Et je sais plus quoi en plus quoi. Ça va me générer de la clé du flint. Donc en gros déjà quand j'aurai ça, faudra que je split en fait en deux. Un côté il y aura le flint élargi qui vont partir, l'autre côté il y aura le sable quoi. Mais en fait le côté où il y aura le flint élargi qui vont partir, ça va directement arriver sur le dépôt ici en fait. Hein. Je prends juste ici en dessous, ça split en deux, boum un côté ça part Ouais je pense en fait ça. Hein. Mais du coup ce que je ferai c'est que je mettrai un bras là et un bras là. Voilà, on va. On fera ça je pense. Mmh,
En vrai, ça se trouve, d'un seul bras, ça passe. Hein. On verra quand on y sera, hein. Ça sera fixé. Hein. Il y a quand même des moments où il se passe pas grand chose, tu vois. Ce genre là. Là, pendant 10 secondes, il va rien faire, quoi. Donc bon. Bon, et ben en tout cas, ça marche, nickel. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hein. Et ben en vrai, sur ce, les amis. Sur ce magnifique setup, je pense que moi je vais m'arrêter là aujourd'hui du coup. Je vais pas le lancer dans un autre setup là, de toute façon. C'est pour pas le terminer. Mais par contre, ouais, il y a un moyen où demain on commence. Alors je pense pas que demain on arrivera à faire d'un coup. Mais où demain on commence. Alors est-ce que je fais le setup à or? En vrai, le setup à or, j'en ai pas besoin tout de suite en fait. Je vais peut-être commencer par le setup en desite. Ce qui m'éviterait de devoir à chaque fois venir farmer dans desite, tu vois. Comme j'ai fait tout à l'heure. Je serais peut-être ça plutôt. Peut-être que demain on partira sur le setup en desit, je pense. Oui, oui, oui. Bon. On dirait Factorio, ouais. Bah, ça ressemble un petit peu à ça en vrai. Hein. Enfin, c'est. En même temps, bon, d'un côté, dès que t'as les tapis roulants, dès que t'as les bras d'un mécanique, puis les trucs qui se transforment un petit peu à gauche à droite. Après, je dirais plus que ça ressemble plus à Satisfactory, mais. Ikea ? Tu me disais avec une usine à gold, tu peux avoir de la clé, mais comment exactement ? Bah, parce que le sable, quand tu fais du sable, ça te fait de la clé. Oui, mais c'est pas, y a pas de gold avec le sable. Bah si, parce que le sable tu te transformes en soulsen, et d'être soulsen tu vas te transformer en gold. Bon enfin, bon sur ce les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi le live. Oula, je vais réussir. Ok, alors attends, faut que je refasse tout. Souhaite de passer un agréable week-end, et puis bah je vous dis rendez-vous demain midi pour la suite de l'aventure sur Modécoube. Le gold ça fait quoi, des ingots c'est ça? Ah, pas des ingots, des bébites. Oui. Les pépites avec de la soul sand, ok. En plus on aura du quartz et la soul sand avec ça, ça fait du sable. Le sable ça fait de la soul sand. Hein? Ah ouais, c'est un beau petit système. Il y a quand même quelques machines à faire, quoi. Ah, c'est un peu plus loin. Ok, faut que je note tout ça alors. En gros, si tu veux le setup opti, je te le montre. Tu l'as chez toi? Non, mais j'ai une image de comment faire setup opti. Setup opti, c'est ça. Faut vraiment tout recycler. Merci pour le raid. Et de ring? Oh vache. Voilà, wow. En gros. Mais ça, c'est si tu veux vraiment recycler derrière le quartz qui est produit pour en faire du gold en fait. Sinon, tu t'arrêtes juste au niveau. Je vais le garder justement. Bah voilà, bah, en gros, tu t'arrêtes juste à l'étape du sodo qui est en plein milieu et tu as les pépites à gauche et tu récupères le quartz en dessous en fait. En gros, tu oublies toute la partie en bas à gauche quoi. Donc, mais bon, faut déjà produire la cobble que tu crush en gravier et que tu crush